et aussi parler énormément. Thank you.
Un petit peu trop pressé à mon goût, apparemment, ce que je vois. Bonjour tout le monde, en tout cas. Alors, attendez. Quoi? PTDR, d'accord. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, attendez, juste patientez quelques secondes, on revient. Et merci Astral pour le follow. Astral 201 pour le follow, merci à toi. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Voilà, yo, yo à toi, bienvenue. Du coup, on se retrouve pour du RP sur LuxRRP, le serveur de SnowXray. Vous aviez été nombreux à m'en réclamer. Donc, on est parti, on est reparti. Tout en sachant d'abord, les gens, que j'ai fait quelques petites modifications concernant la map, du coup, concernant la map. Je dis n'importe quoi concernant mon... Bien, attendez. Pourquoi on me ping? Ah, attendez, que je réponds à des machins. Et je suis à vous dans quelques minutes, les gens. Voilà. Voilà. Alors, du coup, on est parti, du coup, les gens. On est parti, du coup, pour ce fabuleux serveur qui est Luxury RP. J'avais totalement paumé le nom. Donc, nous voici, nous voilà. Nous sommes beaux. Voilà. Et j'en profite, justement, pour remettre tout ça en ordre. Alors, attendez. Tac, voilà. Bonjour, je suis en grand. Attendez une seconde. Voilà. Histoire qu'on remet ça en place, voilà, parce que ouais, il y a eu quelques petites modifications avec la cam que nous venons de rejoindre. Alors attendez, est-ce que c'est bon? Test. Ouais, ça m'a l'air d'être bon, hein, écoute. Ah non, par contre, faut pas que je bouge, d'accord. Alors attends. C'est pas. Ça fait pas trop 1920-1080, ça en fait, j'ai l'impression, moi. J'ai pas trop. J'ai l'impression d'être un peu plus élargi là, tu vois. Non, en vrai, je pense que ça va en fait. Attends, si je mets comme ça là. Ouais, ça a l'air impeccable. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue du coup dans ce nouveau RP du coup en tant que Dorian Double Run. Je vais fermer mon volet. On va jamais s'en sortir, mais on va y arriver, les gens. Voilà, on est parti du coup pour Luxury RP. Vous avez été nombreux à me réclamer un nouvel épisode en live. Donc je vous le fais actuellement. Alors pour ceux qui se demandent, je suis passé en 1280x720p au niveau de la résolution de mon OBS. Donc ça se trouve, il y aura une très 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 basse résolution de votre côté, parce que en fait j'aimerais essayer plusieurs trucs. On a toujours notre verre et gameplay, voilà. Le seul truc qui a changé en fait ici, c'est juste le contour en fait. Avant j'en avais pas, maintenant j'en ai, voilà. Voilà, c'est juste ça qui a changé. Et sinon, on a ça. Voilà. On a ça. On teste des choses, les gens. Ok ? On teste des choses. Là, j'ai envie de tester des choses. Là, durant les vacances, voilà. Pour voir ce que ça donne. Donc, on va tester les choses. Et encore merci, encore une fois, pour le follow Astral. Donc, on est parti pour le fameux serveur LuxRRP. Pour ceux qui ne connaissent pas LuxRRP, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Que je vais vous remettre directement en IP. Qui est donc. Ceci, voilà, je vous invite à aller la voir du coup, cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube, si vous voulez en savoir un peu plus et comment rejoindre le serveur, parce que vous pouvez nous rejoindre, exactement, parce que le serveur est semi-public. Quand je dis semi-public, c'est vraiment, personne n'a accès comme ça en un claquement de doigts, c'est vraiment, tu dois rejoindre un serveur Discord, tu dois faire tout un protocole pour pouvoir rejoindre, voilà. Donc on est parti, donc à ce que j'ai compris, il va y avoir pas mal de gens qui se rajoutent à la liste du coup. Alors nous avons Colgain. Voilà, donc on attendra. Je disais quoi déjà? Ah oui, donc du coup, il y a des nouveaux joueurs qui se sont ajoutés à la liste apparemment. Nous avons un certain Sarki. Snowmi du coup, donc Slimmy pour ceux qui connaissent, c'est mon modérateur. Nous avons Colgain aussi qui s'est rajouté. Colgain le sang, le poteau IRL, le Colgain qui s'est rajouté. Voilà, on va essayer de faire en sorte de faire de ce rename en
aux frères Toblerone, tu vois. Genre faire les frères Toblerone, voilà. Bon, après, je sais pas trop, parce que Snow X-Ray était vraiment pas chaud. À ce qu'il a dit, c'est que c'était autorisé, mais faut pas qu'on joue tous les deux dans l'RP. C'est-à-dire qu'on doit pas... Je crois qu'on doit le prendre du genre... On doit pas rester souvent ensemble, en fait. C'est vraiment... On doit se la jouer RP-RP. Voilà. On essayera de faire en sorte que ça se produise comme ça. J'espère que ça sera accepté. On verra bien. On attend justement le VOC, voilà. Donc dans 5 minutes, le VOC est avec les... Le VOC est présent. Alors attendez, c'est que je suis en train de discuter avec Monsieur Colgain justement, parce que ça va être sa première fois en RP, donc du coup il va falloir lui apporter du soutien à ce petit Colgain du coup, parce que à ce petit Colgain, grand Colgain, hein, parce que IRL il fait 2 mètres. Mon petit Colgain. Incroyable. Voilà, attendez. Pour l'instant, on va se remettre en Twitch cam. Voilà, on va se remettre comme ça parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. On a juste besoin de parler, tu vois. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Je vous mettrai le serveur quand on sera dessus. Voilà. Il faut peut-être que j'allume Mumble. Il faut peut-être que je me connecte au Mumble et tout. On va faire ça. En doula. Yo Karma, comment ça va? Comment ça va Karma? J'espère que t'as passé une excellente journée et que tu vas également passer une bonne journée avec nous. Ok, bon, ça fonctionne. On va se mute, voilà. Tac. Du coup, on est parti, on est tipard, on n'a plus qu'à attendre, voilà. J'espère en tout cas que tout le monde va bien ici et que vous allez passer une excellente soirée en notre compagnie. N'hésitez surtout pas aussi à aller vous abonner à la chaîne de Snow Luxray, ça y fera énormément plaisir. Et peut-être qu'il y aura une troisième POV, je sais pas. Non, je vais pas bien et toi? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, en tout cas, ça va. En tout cas, moi, ça va bien. Moi, je suis impatient. Je suis impatient de pouvoir refaire ça. Je suis tellement impatient, mon gars, que je fais que de sautiller. Ça se voit. Allez. On va passer une excellente soirée ce soir, les gens. Vous inquiétez pas. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Je suis en train de rechercher le serveur. Il est où? Il est là. Ouais, il y a déjà des gens dessus. C'est une blague. Ah. Alors attendez, là pour ceux qui ne savent pas, je suis déjà sur le serveur. Bon, on va se déconnecter par politesse. Voilà. Join pas le serve, trop tard. Trop tard, j'ai rejoint le serve. Ouais, voilà, ouais, c'est ballot ça. Ma grand-mère, elle est aux portes de la mort. Je vais reperdre quelqu'un après mon père. J'en ai marre, j'ai besoin d'aide. Je veux pas aller voir une psy car je veux pas foutre ma mère encore plus dans la merde financière. Yes! Ah! Sorry pour toi, Karma. Et merci! Attends. Quelle est donc cette personne qui vient de s'abonner? C'est ton... Attends. Toto Nosendo? Waouh! On va t'appeler Toto! Merci Toto pour le follow! J'espère que tu as passé une excellente journée. Désolé de te casser le moral, mais j'ai besoin de parler, j'en peux plus. Ouais, bah, non mais t'inquiète, hein, t'inquiète, Karma, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mec, t'en fais pas. Le VOC est là. Ah oui, RP Briefing, donc on va se connecter. On va attendre les gens, voilà. Non mais t'inquiète pas, Karma, c'est... Tu peux, y a pas de soucis. Y a pas de soucis, mec. Voilà, et bonsoir, Colgain. Bonsoir. Voilà, je suis en live, bonsoir. Bonsoir le live. Voilà, comment ça va? Alors attends, parce que j'ai eu des nouveaux followers.
Mon oncle est à l'hôpital et va se faire hospitaliser. Il ne va probablement pas survivre. Les médecins ont dit, désolé, mais je préfère me livrer à quelqu'un. Ah oui, d'accord, et c'est séance de psy aujourd'hui, là. Oh la vache. Ah, de toute façon, le live ici, vous êtes là pour passer un bon moment, donc ne vous inquiétez pas, vous allez en passer un. Voilà. Et courage, vous videz des moments difficiles, mais vous allez voir, ça va aller mieux après. Voilà. Ouais, mon chat, il est en pleine séance de psy, là, c'est incroyable. Et mon poisson rouge s'est fait arracher la tête par un corbouillard. Pardon, excuse. T'as pas de tête, un poisson rouge. Ouais, en vrai, ouais, c'est juste, il y a un corps. Ah, je dis ce qu'il y a marqué. Pour ça, c'est pour ça qu'il ne trouvait plus sa tête. Je me disais aussi, il est né sans pied, le pauvre. Ouais, ouais, je comprends tout. Ouais, non, mais ouais, tout à fait. Tu peux rejoindre le Murble, si. Le Murble. Rejoins le Murble. T'as rejoint le Murble. T'as rejoint le Murble. J'ai mon PC. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir, Rit. Bonsoir. Comment ça va, Rit? Ça va et toi, bro? Ça va et toi, maigre? Waouh. Bah tu me dis gros, je te dis maigre. Eh hein. Mec Ouais, voilà quoi. Et bonsoir Snomi. Et bonsoir Is No Good. Bonsoir. Comment ça bonsoir. Va bonsoir. Ça va, ça va, ça va. Et salut à tous. Bonsoir, Soluxray. Salut les gamers. Salut Colgan. Salut Yves. Salut Raik. Salut Snowmai. Il y a un écho. Ouais, je crois que c'est Soluxray. Ouais, c'est Soluxray. Oui, quoi? Ouais, c'est Soluxray. Ah oui, j'ai oublié d'enlever un truc. C'est long. C'est long. Bien joué, ça. Il n'y a plus rien. Bravo, bravo, bravo. Comment ils vont, ces gens? Pas bien, ils sont. Attendez, je reviens, les gens. Vas-y mec, reviens. Ça va, non, normal. Je crois que les 4 nouveaux... Ah non, il en manque un. Il manque Sarki. Tu es capable. Il m'a envoyé... Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, je vais pas oublier. Il est 21h01. Je vais péter un cap. Tu... Hop là. Hop. On est parti. 100% il me bloque dans la nuit parce qu'il a oublié. Oh merde. Bien, bon bah du coup bah on va dire que tous les nouveaux sont là, du coup je vais pouvoir briefer dès la minute 1. Donc Snowmai, Tijeni, Colgan, vous pouvez vous démute. Pardon, je vais peut-être me mute en attendant. C'est parfait, vous régalez. Bienvenue à vous, sur Luxury Roleplay. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes, comme je le disais. Parce que nous cherchons, évidemment, enfin, je cherche. On a besoin, on va dire, on cherche à avoir de nouveaux joueurs pour pouvoir ouvrir les nouvelles activités. Parce qu'en fait, vous savez, nous, on rend tout en roleplay. C'est-à-dire qu'en gros, ben, ce sont que des joueurs humains qui font toutes les activités du roleplay. Et donc du coup, pour qu'il y ait des métiers différents, il faut qu'il y ait plus de joueurs. Donc en fait, plus on a de joueurs et plus on ouvre des nouveautés. Et quand on stagne, il n'y a juste pas de nouveautés. C'est-à-dire que le RP reste quand même bien. Mais c'est juste que voilà, de temps en temps, c'est bien d'avoir 2-3 nouveautés. Bah, donc, ouais, coup, bah, voilà, karma, plus les gens rentrent et ben, plus des nouvelles choses ouvrent. Pour te dire, Karma, en fait, si tu veux, j'ai aussi vécu 8 semaines de galère aussi. Il y a eu un moment, durant le confinement, où en gros, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes niveau PC et tout. C'était la full merde. Et encore, en 2017, je te raconte pas la full merde. Non, mais vraiment, on vit tous des moments difficiles comme ça, mais faut s'accrocher, les gars. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hop là. Donc on est parti. Ah putain, maintenant il y a mon chien. Bon, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Tu dis bonjour au live? Tu fais quoi? Tu vas te... Ouais bah réfuge-toi dans mon lit, mais bouffe pas mes fils là. Ok? Bon. Excusez-moi, c'était mon chien qui adore bouffer les fils en tout cas. Voilà. Alors attends.
parce que sinon ça sort un peu de la bulle de RP. Quoi d'autre? Donc, au début, on va vous prendre par la main, donc c'est-à-dire que vous allez un petit peu écouter ce qu'on va vous dire de faire, et puis ensuite, vous aurez évidemment des moments libres à vous. Vous pourrez faire connaissance avec les autres. De toute façon, tout le monde est très sympa et tout le monde va vous intégrer, on va dire, dans le cocon, parce qu'étant donné qu'on n'est pas super nombreux pour l'instant, on agit un peu tous sous forme d'un bloc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de bulles différentes qui sont créées, donc du coup, normalement, tout le monde va bien vous accueillir. Voilà, je vous demanderai juste voilà, d'essayer ça d'être un peu exemplaire, ne serait-ce que pour la première et deuxième session, quand vous allez revenir. Voilà. D'ailleurs, en parlant de session, vous le savez, normalement, si vous avez suivi un petit peu l'actu, ça se passe de la manière suivante. Nous jouons qu'une fois par semaine, c'est tout le temps le samedi soir, voilà, donc il faut bloquer votre samedi soir pendant 1h30, on joue. Donc c'est de 21h30 à 23h. Vous n'êtes pas obligé de faire les 1h30 en entier, sachez-le, vous pouvez partir avant ou arriver plus tard, mais vous êtes obligé de venir au moins une fois et ne serait-ce que jouer au moins 15 minutes, quoi. Voilà, parce que c'est quand même, ici vous êtes quand même ici pour vous amuser, il faut que vous passiez quand même un bon moment, le but étant pas non plus de se forcer. Si vous sentez que c'est pas votre truc, vous m'en parlez, soit parce que c'est un problème peut-être que vous avez mal compris comment ça s'est passé, donc du coup c'est quelque chose qu'on peut rectifier pour que vous puissiez vous amuser sans avoir à partir, car sachez qu'il y a une seule règle dans le RP, c'est très simple, si vous ne créez pas de RP, vous ne vous amuserez pas. Donc, c'est en créant du RP que vous allez vous amuser, parce que ça crée des enjeux, ça crée des discussions, ça crée des scènes intéressantes. Si vous pensez venir dans un serveur RP, que ce soit sur le mien ou n'importe lequel, et en attendant comme ça que ça vous tombe dessus, que les histoires vous tombent dessus, que les conversations vous tombent dessus, vous faites erreur. Vous allez vous embêter, vous allez passer une session. Toutes les sessions vont être ennuyeuses pour vous. Donc, sachez qu'il faut créer du RP. Alors je peux comprendre, quand on débarque comme ça c'est difficile de s'ouvrir aux gens, on peut être un peu timide et tout, même si c'est derrière un micro, donc vous inquiétez pas, on va quand même vous accompagner et faire en sorte que vous soyez avec nous, mais ne soyez pas trop non plus recroquevillé sur vous-même, parce que sinon ça sera très compliqué. Salut Zach. Donc du coup voilà là-dessus. Autre chose. Alors évidemment, pour ce qui est ensuite pour la connexion, parce que pour éviter voilà les questions en ce moment-là, vers 21h15, je vais vous donner les IP que vous avez déjà, mais je vous vois écouter tout ça. On va écouter les gens. Pas, je préfère juste être clair avec vous au niveau des règles à retenir. Voilà. Pas grand-chose à retenir, sauf que il faut pas vous oublier que vous incarnez un Minecraftien, d'accord? Vous n'incarnez pas un être humain. Donc, vous savez que les creepers existent, vous savez que les zombies existent, vous savez que courir et sauter en même temps, ça vous fait aller plus vite. Essayez aussi de parler le moins possible avec le non-bloc. Voilà, on évite. On essaie de dire directement la matière, un peu de la pierre. Du caillou, de l'argile, tout ça, on évite de dire bloc de quelque chose, voilà, c'est si jamais voilà, vous arrivez à y penser, voilà, c'est plutôt cool. Salut Tarpin. Bonsoir. Et donc, du coup, voilà, faut penser à ça. Bonsoir. Autre chose aussi, si vous avez des problèmes techniques, ne sortez surtout pas de la bulle RP, mais ça vous l'avez évidemment vu dans la vidéo des règles normalement. Si vous avez un problème technique ou quoi que ce soit, vous inventez une excuse au roleplay, évidemment, vous dites que vous avez un problème de cerveau, un problème de corde vocale, ça vient dans le micro. Problème de cerveau. Vous entendez quelqu'un d'autre. Yo X2, merci pour les overlays du coup X2. Vous pouvez lui dire de manière roleplay. Comment ça va X2, j'espère que t'as passé une excellente journée. Encore merci pour les overlays, ça fait plaisir. Il faut dire, oui, vous avez peut-être une extension de toi. Si quelqu'un, quand il parle, il est censé parler et qu'il n'y a pas de son qui sort de son personnage, vous pouvez lui dire, vous avez une extension de voix, ou alors, je ne vous ai pas entendu, vous pouvez répéter, tout ça. Si vous entendez un écho, vous dites, j'ai l'impression que vous répétez la même chose que moi, ou truc comme ça. Voilà, ça peut être plutôt pas mal. Salut Voltan. Bonsoir. Bonsoir. Salut Papyrus. Salut. Du coup, voilà pour Yo. Ça. Alors évidemment, certaines choses sont interdites, évidemment, vous le savez déjà. Alors, on évite évidemment, même si c'est interdit, d'insulter. C'est juste que le problème, c'est que je peux pas être partout sur le serveur. Donc des fois, il y en a qui se lâchent un petit peu, même si je sais que c'est pas méchant, mais c'est juste pas l'exemple et pas le RP que j'ai envie de voir. Donc, les insultes sont interdites. Voilà, on évite, et surtout les soundboards sont formellement interdites aussi, ni les changeurs de voix, tout ça. Sinon, je bannis directement. On est là pour faire du RP sérieux. Voilà. N'est-ce pas, Akashi ? Vous le savez. Voilà, donc vous le savez, si vous êtes dans ce genre de truc,
sens pas vide. Si vous êtes ce genre de truc, c'est sérieux et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré dans un serveur public en mode oui, on se co, vous installez un launcher en mode pack. Non. Ici, c'est du RP full vanilla. Il n'y a pas de mode installé par le Mumbling. Mon Dieu. Là, la dernière fois, il avait foutu tout est vanilla de manière à ce que ce qui soit au centre du gameplay, c'est vraiment le roleplay, les histoires qu'on crée autour de ça. Soit 100% intéressant. Je le rappelle pour ceux qui veulent rejoindre le RP, voilà. Sachez que allez regarder ma dernière vidéo, vous saurez de quoi on parle. Et puis sinon, bah, restez sur le live pour les avions n'existent et pas. Verrez, tout et ça. Vous verrez le truc qui existe, c'est ce qui est dans Minecraft de base, le vanilla. Les chevaux existent. Voilà. Les élytras existent. Voilà, vous ne parlez vraiment de que ce qui existe. Les wagons aussi existent, évitez de dire Minecart. C'est anglais, donc ça marche pas. Vous dites wagon, je sais que c'est dur, mais vous faire attention. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ce genre de terme, parce que bon, on est quand même dans un truc vachement urbain. C'est un RP urbain qu'on fait, un RP citoyen. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas le RP militaire, en mode vous allez vous battre contre des gens. Non, c'est du RP citoyen, c'est-à-dire que on fait des métiers, Re-karma. On apprend à vivre ensemble, malgré les uns et les autres, et on essaie d'avancer. Le but premier, c'est de faire développer la ville. Voilà. Donc, et une fois qu'elle sera développée, c'est-à-dire que le maximum que j'accepterai, ce sera 24 slots, c'est-à-dire qu'en gros 24 joueurs. Là, à partir de là, l'économie sera implantée, peut-être même un peu avant. Parce que là, vous allez rentrer dans une ville où il n'y a pas encore l'économie. Parce qu'en fait, on met les choses petit à petit, on a besoin de plus en plus de joueurs en fait pour installer des trucs. Donc du coup, c'est pour ça qu'on prend un petit peu notre temps là-dessus. Bon, voilà, j'aime pas le RP. Ce soir, c'est RP. Sorry. Qui font allusion à la vie réelle. Mais tu peux rester, hein. Tu peux rester. Tu peux peut-être. Ou si vous-même vous avez des problèmes techniques, tu peux peut-être changer d'avis. Je t'invite à rester quand même. Tu peux peut-être changer d'avis quand même. Une raison roleplay qui pourrait faire comprendre aux autres joueurs ce qui vous arrive. Oui, t'es gâté, problème de cerveau parce que votre PC a crash. Ou problème de micro. Donc du coup, vous dites j'ai un problème au niveau des cordes vocales. Voilà, donc on garde ça en tête. Quoi d'autre ? Également, du coup, on va vous prendre par la main pour la première session. Donc, il y a un planning, on va dire, qui est, qui est effectué. C'est-à-dire que vous êtes en temps libre. Au début, il y a le briefing qui se passe dans l'accueil du gouvernement. Donc, du coup, là, je vais vous parler de tout ça. Et puis ensuite, les nouveaux, normalement, à partir de là, je vous demanderai de venir et je vais évidemment tout vous expliquer dans le roleplay. Alors, évidemment, on ne se connaîtra pas dans le roleplay, donc il faudra que vous me répétiez votre prénom et votre nom, tout ça. Chose que je vais vous demander tout à l'heure pour juste vous whitelist et vous rentrer dans la whitelist pour que vous puissiez avoir votre nom aussi qui s'affiche parmi la liste des gens. Dernier point au niveau de la ponctualité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vaguement, ce que étant donné que pour pas qu'on se lasse et pour que le maximum de gens soient là, comme vous avez pu le voir, c'est une session par semaine, de manière à pas avoir d'overdose et surtout de pouvoir souffler un peu. Ça nous permet, nous, derrière, d'ajouter, de faire des mises à jour et des nouveautés en semaine pendant que vous ne pouvez pas vous connecter. Et ensuite, vous arrivez et vous découvrez les nouveautés. Et du coup, en contrepartie, je vous demande évidemment d'être là chaque semaine. Alors, je peux comprendre, des fois, il y a l'anniversaire qui tombe mal ou autre. La raison ne m'intéresse pas, de toute façon, je ne suis pas votre professeur. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de me dire pourquoi vous ne venez pas. Seule chose que je demande, c'est que vous me préveniez. Parce que des fois, il va y arriver qu'on va prévoir des events dans le RP. Salut Art. Des fois, on va prévoir des events dans le RP qui nécessitent parfois un certain nombre de monde. Ou alors, parfois, vous allez avoir un métier important. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est. Attendez, le staff du RP semble être à fond dans le truc. Ah oui, non, mais le staff, ils sont à fond dessus. Il faut pouvoir un peu prévoir. Le staff, ils sont à fond dessus, c'est incroyable. Il faut prévoir un peu à l'avance. Si demain, j'ai un ministre qui n'est pas là. S'il me le dit pas en message privé un peu avant, bah du coup je vais arriver et voir qu'il est pas là, ça va être plus dur et même un peu relou à essayer de boucher comme problème. Donc c'est pour ça, si vous comptez ne pas venir pendant une session, vous m'envoyez un petit MP, machin, Snow, salut, je suis désolé, je pourrais pas être là cette session là, voilà, donc moi je fais ok, pas de souci. J'autorise une absence à chaque fois. Si vous faites deux absences d'affilée, c'est terminé. Dans le sens où si vous n'êtes pas là un samedi, sauf évidemment si vous partez bon deux semaines au ski, bon d'accord, je comprends, je suis pas idiot, tu vois. Je suis pas là non plus, je suis pas à l'usine, je comprends, nous on est tous humains. Ouais, j'étais plus du RP, Ouais, tout à fait là. Et merci à Mipiza pour le follow. J'espère que tu as passé une excellente journée. Et bienvenue à toi parmi nous.
bienvenue à toi parmi nous et j'espère que t'as passé une excellente journée. Comment ça va BG aujourd'hui? Comment ça va depuis El Famoso Cake Defender? Si la semaine encore d'après vous êtes pas là, vous êtes censé venir, c'est fini. Vous êtes une whitelist, vous êtes banni, votre compte est wipe, enfin votre personnage est wipe, c'est fini, on n'en parle plus. Parce que justement, c'est non seulement parce que, un, vous n'avez pas été sérieux, et de deux, le RP avance trop vite sans vous. Donc du coup, vous allez revenir, vous allez rien comprendre. Ça se trouve, vous avez perdu votre métier, l'entreprise a changé de charge deux fois de propriétaire. Il y a tout qu'à changer, donc du coup, c'est pas intéressant. Donc, du coup, ça va, écoute. Bien. Ça va, écoute, mec. On est partant pour le petit RP. On va y revenir. Du coup, j'ai à peu près tout dit. Et merci! Vous avez des questions? Et merci Liam pour le follow! Ouais, moi j'ai un problème de week-end sur 6, je peux pas jouer. Deux week-ends sur 6. C'est-à-dire que deux fois d'affilée on va pas te voir et qu'ensuite pendant 4 un mois tu vas pouvoir jouer. Merci pour le follow, mec! Alors attends. Okay, bah moi ça me va, si ça ne bouge pas. Bah, si ça bouge pas et que c'est tout le temps ça, y a pas de soucis. Ok, bah y a juste pendant les vacances où je pourrais jouer, où ça marche pas. De quoi ? Il y a juste pendant les vacances où ce cycle-là ne marche pas, donc je pourrais jouer. Les samedis des vacances. D'accord, mais c'est quand t'es en cours, du coup, qu'il y a deux semaines tu peux pas, et un mois total où tu peux. C'est ça. Ok, ça va. Donc tu me préviens, moi y a pas de soucis. Okay. C'est Zakawel, je suis déguisé. Ah, d'accord. C'est juste que merci Zakawel pour le follow. Oh putain, pic de 7 viewers, les gars, vous êtes chauds ce soir. RP parlant, je vais vous demander aussi les disponibilités. Si jamais il va peut-être arriver à un d'entre vous que je vous propose un poste intéressant ou important, enfin à haute responsabilité. Et en général, les postes à haute responsabilité nécessitent d'être là toutes les semaines. Oh, c'est pour moi ça. Oh, c'est pour moi ça. Oh, je le sens pas. Si jamais toi, par exemple, tu es, du coup, tu as ce cas de figure là. J'ai fait de l'électricité. Il est fort possible que du coup, bienvenue Zakawel en tout cas. Bienvenue. Des métiers à responsabilité. Comment ça va, mec ? Voilà, dans la ville. Alors, ça veut pas dire que ça va être que ton RP va être nul, hein. Loin. Enfin, au contraire. Parce que plus t'as de responsabilités et moins tu peux faire ce que tu veux, on va dire, dans la ville. Évidemment, il y a les plus et il y a les moins. Mais voilà, juste soit. En tout cas, on a eu un petit truc parce que bon, Colgan l'a dit, mais. Je pourrais pas te mettre gouverneur par exemple, tu comprends bien. Parce que un gouverneur. Ah, attendez, hop, je mute juste l'audio du bureau. Là. Bon, je l'entends toujours parler. Aïe. Je me suis fait mal. Pour ceux qui savent pas en fait, pour quel problème il avait, Colgan, en fait, bah du coup, deux semaines sur six, il peut. Franchement, c'est cool que Snow X-Ray il accepte ça. Ah, attends. Ah oui, tu vas vivre normal comme les autres, hein, parce que les postes de responsabilité, il n'y en a pas beaucoup. Il va en avoir 8 en tout sur le serveur, je vous spoil, quand on sera 24, il y en aura 8 max. Voilà. Donc voilà. Est-ce que d'autres questions parmi les nouveaux ? Non ? J'avais plutôt une question niveau RP. Est-ce qu'on vit sur la Terre ? Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Va aller regarder sa vidéo. Non, mais ça, j'ai vu qu'on n'est pas dans. Enfin, si on est dans le monde de Minecraft, mais qu'on ne dit pas dans le monde de Minecraft. Mais du coup, si on n'est pas dans le monde. Enfin, si dans le RP, on dit qu'on n'est pas dans Minecraft, on dit qu'on est où ? Bah, on dit qu'on est juste. On se pose pas la question, c'est rare. Et à aucun moment, on va se dire, oh, mais les gars, on est où là ? Sur le continent ? Non. Le seul point géographique que vous pouvez donner. C'est que vous êtes dans un biome. Parce que les biomes, c'est dans Minecraft, c'est comme ça. Donc, le seul point géographique que vous pouvez donner, c'est voilà, biome océan, biome jungle, biome ouais, mesa, tout ça. Ça finit en truc de philo après, tu vois. Genre, mais on est où, les gars ? Je comprends pas. Ta question. On est où, en fait ? Parce que voilà, on parfait. Est dans ce monde. Autre mais il s'appelle comment ce monde ? Ça part en philosophie minecraftienne aussi. Voilà. Avec, ce serait incroyable ça. Ce serait incroyable, ça part en philosophie minecraftienne. C'est pas le but. Voilà, donc on dit qu'il y a notre ville ici, mais il en existe évidemment d'autres à travers le monde, du coup. Mais voilà, il y a la nôtre, et c'est celle-ci où on se concentre. Et autre chose aussi, au niveau du background, ça aussi, c'est un point que j'ai failli oublier, c'est important de le savoir. Le background est interdit. Voilà, donc background, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? C'est s'inventer une vie avant votre arrivée en ville. Interdit.
votre background secret que lorsque vous jouez. C'est pas quelque chose qu'on s'invente. Sinon, ça crée des déséquilibres. Sauté, roleplay, en fait. Le truc les gens, ils vont s'inventer une vie, vont dire ouais, j'étais le boss avant, donc donnez-moi le poste de gouverneur, machin. Non. Hors de question de parler de votre passé. S'il y a un mec qui force, normalement, tout le monde est au courant, donc normalement, personne ne va vous poser de question d'où vous venez. À la limite, vous pouvez dire vous venez d'un biome désert, vous venez d'un biome taïga ou quoi, c'est le seul truc que vous pouvez donner. Une géographie, vous pouvez juste donner ça. Mais il est hors de question, voilà, à ce niveau-là. Donc j'ai à peu près tout dit là-dessus. On va passer au test pour voir si vous avez bien installé vos modes, évidemment. C'est un peu là où on va un peu voir si vous êtes un peu à l'aise ou pas avec ça. Du coup, vous avez dans le channel RP Info. Tous les IP et toutes les adresses qu'il y a besoin, donc minecraft1.16.1 pour le serveur Minecraft, voilà, luxury.mgcraft.fr, et vous avez aussi pour le Mumble, luxury.mumble.gg avec le port 10018, et une fois que vous entrez, on va vous demander un mot de passe et vous écrivez Snow. Oh le con. Snow. T'as fait une boulette. Je suis en live. Ah, d'accord. Bon, bah, tout va bien, alors. Hein, tout va bien, mec, tout va bien, t'inquiète. Ouf, c'est bon. Oui, on va y aller. T'inquiète, on a rien entendu. Oh, ouf. Juste en mode oh shit, oh shit, oh fuck, shit, god damn it. Personne ne sait pas ce que c'est. Oh mon dieu. C'est long. Donc du coup, push to talk est... Petit génie. Juste, comment on le fait fonctionner? Parce qu'il y a la petite page appuyée pour parler qui apparaît, mais du coup, pour parler, il faudra appuyer dessus. Alors ça, Is No Good va te montrer tout à l'heure, il va vous aider, ouais. Et Rike aussi va vous aider à ce niveau-là. Alors, je vais juste créer un autre channel en bas, au cas où, voilà, si jamais il y a des petits soucis, mais voilà, ce sera pour les autres. Donc du coup, le push-to-talk est obligatoire. Ah, c'est pourquoi? Comme ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que, en fait, il crée les salons au fur et à mesure. Si jamais il y a votre maman, ouais, c'est bon, si on a, qui si passe derrière, ou le petit frère ou la petite sœur, on l'entend pas. Parce que entendre la vie de quelqu'un dans le RP, c'est terrible. Ça sort de la bulle de RP, personne n'est dans le truc. Donc le push-to-talk est obligatoire pour ça. Ça couvre les débordements, voilà. Autre chose, le avantage du push-to-talk, si jamais vous êtes... si jamais vous déconnectez du jeu parce que vous crashez par exemple et que Mumble est toujours ouvert et que vous avez continué à parler, dès que vous déconnectez du serveur, on vous entend pas. Parce que normalement vous n'êtes pas censé parler quand vous êtes hors du jeu. Donc du coup, quand vous déconnectez, on n'entend pas un mec qui est des links. Pareil, voilà. Avantage du push to talk à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà. Et vu que c'est du RP, utilisez juste vos touches pour vous déplacer. Donc du coup, normalement, vous avez largement le temps d'appuyer pour parler. Voilà, faut penser à le réactiver à chaque fois que peut-être que vous faites des UHC à côté et que vous le désactivez. Moi aussi, j'en fais. Mais dès que vous revenez sur le serveur, faut repenser à remettre vos distances, minimum, maximum. De toute façon, ils sont tout le temps marqués dans le truc, donc vous avez le temps. Vu qu'à 21h, on se retrouve tous ici. Voilà, vous avez le temps à chaque fois. Du coup, on va passer à la suite, voilà, parce que l'heure avance. On va passer du coup au test son. Je vais vous demander les 4 nouveaux, m'envoyer vos pseudo MC, vos pseudo Minecraft pour que je vous whitelist sur le serveur et vous allez vous connecter. Donc j'attends mon pseudo. Parfait. J'ai une question. Il y a Caché qui est en train de mourir si jamais. Hein. Oui, enfin, je sais pas si j'en peux plus, donc s'il continue à faire n'importe quoi. Mais non, c'est que j'ai plus de bouffe. Non, mais j'ai pas besoin de justifier, mec. Pas besoin de justification, parce que ça ne m'intéresse pas. Merci, la bouffe. Problème réglé. J'ai une question, sinon. Oui, dis-moi. Est-ce que, dans la salle des contrôles, est-ce que t'as changé ou non? Changé quoi? Alors, je sais pas si on peut rejoindre le serve. Est-ce que le serve, on peut le rejoindre? Alors, attendez, oui, j'ai changé, mec. Tu crois que je suis qui, en fait? Oui, on peut le rejoindre. Donc on va le rejoindre. Et on va se mute. Mumble. Et on va se démute. Et on va se démute, Mumble. C'est lui. Au secours! Qu'est-ce que je fous dans l'eau, les gars?
bouteille. J'étais dans l'eau. Oh non, non. Mais tu sors d'où, toi? T'es arrivé d'où? Bah, je me suis TP. Téléportation super saiyan, mec, tu connais. Je suis en Naruto. Alors attendez, je vais vous mettre quand même le la cam, voilà. Pourquoi t'as changé ton pseudo? Dites-moi au fur et à mesure, les gens, si jamais vous si pixelisé et tout. Ouais, Minecraft, c'est bon, il est là. Il est là, voilà. Dites-moi si c'est pixelisé au fur et à mesure et tout, les gens, et puis je ferai les modifications nécessaires. Voilà. Bonjour. Tijan, toi. Tijan, toi. Oh, bonjour. Bonjour, toi. Oui. Bonjour. Par contre, comment on fait pour enlever les pseudos des gens? C'est pour ça que c'est eux qui doivent le faire. Ils vont enlever le blaze. Ah, d'accord. En gros, comme il a changé de blaze, Art, c'est pour ça qu'il a le blaze. Enfin, on voit le blaze. Ah. Mais vas-y, au pire, on dit. Oh mon dieu. Allez, hop. Eh, Erwan. Tant qu'il a pas changé de skin, ça va. Oui. Ouais, ça va. Erwan. Zaidou, il a insulté. Non. Zaidou a insulté. Hey, il a insulté. J'ai pas insulté personne. Tu vas me quoi? T'as dit tu vas me niquer. J'ai t'as niqué là. Tu vas me niquer. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Ouais, on t'entend. Réglage. Arthur, Art. On t'entend. Salut. Tarping. Tarpin, déjà, tu respectes Tarpin. Ah voilà, c'est là c'est bon, on est bon là. On est bon. Monsieur Durand, et comment tu vas, monsieur Zaidou? Monsieur Tom Durand. Non, attends. Ouais, si, il manque qui encore? Attends. Oh, ça fait plaisir de voir Tarpin. Tant que je regarde qui manque. Ah, il manque qui en fait? Moi, ça va très très bien, mon petit. Ça va les mecs? Monsieur Durand, déjà. Ouais, d'abord, Zaidou, là. Non, mais, On est tarés. Ouais, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Ok. Oh, messieurs, pour les bijoux. Attends, mais j'ai déjà 2 gigos de bouffe en moins, c'est incroyable. Salut le live de Monsieur Tom Loran. Bonjour Monsieur Durand qui stream pas parce qu'il lag. Alors mec, tu vas appuyer sur ta touche, on voit tous les pseudos, et tu vas voir ma co à côté. Voilà, tu vas capter. Wouah, ça va mec. Ça va mec. 3 sur 5, ça fait une bonne moyenne. Bah ouais, ça va, ça va. Toi, tu le constates. Ouais, tu veux te battre là. Allez-y, non les gars, si vous voulez le battre, c'est dans une salle. Toi comme toi. Non, attends, mec, si tu veux te battre, c'est dans une salle avec de la musique russe à toute tête, les volets fermés. Akashi. Ok. Attends, mais t'es dans l'eau toi. Bah évidemment, je suis dans l'eau. Mais qu'est-ce que tu fous dans l'eau, toi? Mais quel débile. On est derrière, tu fous. Ah, c'est Slimy. Je l'avais pas reconnu. C'est Slimy. Il est le Slimy. Je suis taré. C'est moi où il y a des fous enfermés, là. Oh merde. Est-ce que vous êtes devenu un dando sauvage là? Oh Slimy! Monsieur Durand, c'est chanté! Zaidou, il sait! Zaidou! Ouvre-nous! Appuie sur la manette! S'il te plaît! Non! Oh les cons! Hey, Zaidou il a pas insulté parce que c'est un gentil. Oh t'as tout compris là. Ouais. Zaidou il a insulté. Ah tu m'as tourné le dos mec, faut pas me tourner le dos.
Yo Gédin, comment ça va? J'espère que t'as passé une excellente journée, que tu as passé une excellente soirée en notre compagnie. Comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps, Gédin, ça fait longtemps. Désolé, monsieur Durin, ouais, ouais. Je vais arrêter de vous déranger. Vous allez nous l'insulter! Tout le monde! Oh, il m'a claqué la porte au nez! Il m'a claqué! Rentrez. Ah, faut peut-être que je retire ma cape, hein. C'est peut-être mieux. Alors attends, là. Voilà, que je fasse pas comme la dernière fois. Mais il y a du monde caché derrière le bateau dans l'eau. Viens avec moi. Je me mets à courir, tant ça. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, et t'es en push to talk ? Oui, là je suis en train de presser mon bouton. Les gens, pour rentrer, c'est Tumble Run. Rentrez, rentrez. Rentrez. Oh, y'a Toad. Bonjour. Oh, c'est Toad, c'est Capitaine Toad. Eh, hey, frérot. Bonjour. Frérot, ouais, t'as de l'hygiène pour moi. Je suis pas un Toad. Ça va bien. Ça va bien. Et bah, si ça va bien, Zedin, voilà. Ça fait longtemps, mon petit Zedin. Ça fait longtemps. Que deviens-tu, toi, mon petit Zedin, là? Que deviens-tu? Tu fais des vidéos YouTube? Tu fais des lives YouTube? Tu fais des. On peut dire à Tigeni qu'il a un énorme écho, non? Ah, pardon. Et il a une énorme. Non! Oh non, mais mec, fais-moi pas mal! Oula, tarpeigne! C'est qui ça? Zeidou! Zeidou, il a un robot! Zeidou? Par contre? Bonsoir, toi! Ça va, toi? Le grand Colgain ici. Faut rentrer, monsieur Toblerone. Ouais, attends, j'arrive. Toblerone, rentre. Je disais bonjour à un copain. Et de nouveau arrive parmi nous, parmi nos salauds, désactivez tout. Ah ouais. C'est monsieur Zaytou, c'est à vous. Vas-y. Allez, vas-y. J'ai jamais insulté. Oh mon dieu. J'ai jamais insulté. Ouais, bon, est-ce qu'on a un rentre dans le cercle et fais-nous un rap. De quoi? Rentre avec nous, fais un rap. Ok, nice. Yep. Allez, rap là, rap. J'ai peur de parler trop doucement en fait. Oui, moi aussi. RAP. J'ai pas de rap et j'ai pas de fromage. Je sais pas ce que c'est. C'est un bordel. C'est un bordel, n'hésitez pas à clip hein, les gens. N'hésitez pas à clip. You know what it is, black and yellow. I'm getting out of my car. Yeah. Il se passe des choses bizarres là-dedans. On voit ton pseudo, c'est pas. Ah non, mais mec, t'inquiète pas, c'est la rue. Qu'est-ce que tu as dit, moi? Enlève ton pseudo parce que tu nous énerves. C'est moi, oui, Marc. Enlève ton pseudo, t'arrives, tu fais trop le fou. Enlève ton pseudo. Comment on enlève le pseudo? Je sais même pas. T'inquiète, ils vont le faire, E-R-T-Y-U-O-P en même temps. Ok, du coup, je fais. F-G-H-I-J-K-L-M. Tire votre cap, c'est moi, je vais tirer votre cap. Il faut appuyer sur tous les trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Tu écris j'aime les trucs de type rond et grand. Et tu fais entrer. Non, non, c'est de la merde. Tu le fais, t'es un génie. Non, Zaydou, il a insulté. Attends, tu le fais, t'es un génie comme Tigeni. Ouais, oui, mec, c'est. Sortez-moi de là. Laissez-moi danser. Eh les gens, il y a quand même 3 nouveaux avec nous les gens, faut les accueillir comme il faut. Attention. Les gars, ta gueule toi. Les gars. Ouais. Bon, personne me suit. Ça va toi? Bah, ding ding dong. Oh, happy day! Oula. C'est tous des tarés! Je confirme. Ta gueule! TMH! Ah, t'es sa mère! Ça, c'est
Ça va ? Est-ce que tu veux des bisous ? Mon le pauvre collier, il est en train. Regardez-le, il a enlevé son pseudo. Bravo. Oh, il y a plus de pseudo. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est, pas moi, c'est l'autre. Bravo. Merci au client fidèle. Banane. Merci au client fidèle. Oh là là. Sortez-moi de là, mon tour, s'il vous plaît. Moi aussi. S'il vous plaît. Sortez de là. Patience, patience, mes amis. Au secours, ils sont tous tarés. Ouvrez l'hôpital psychiatrique, s'il vous plaît. Ils sont tous absolument charmants. Qu'est-ce que vous emmenez-le à The Voice. Bien, messieurs, avant que la session commence, s'il vous plaît, un peu de silence. Alors, je vous entends, donc s'il vous plaît. Alors, donc du coup, la session va démarrer, voilà, sous deux minutes, tout ça. Je tiens à rappeler, voilà, vous attendez sur le bateau avant que j'arrive. Une fois que je me connecte sur le serveur, la bulle de RP commence. Donc vous commencez à parler normalement en RP, d'accord. Donc à partir du moment où je me connecte, rappelez-vous, on n'utilise pas le chat, tout ça. Il y aura des messages que d'infos dans le chat, mais il faut pas utiliser le chat, surtout pas. Je le rappelle. Il y a des pops devant moi. Autre chose, voilà, donc pour les anciens, pour ceux qui veulent pousser le live, pour avoir, pour toucher peut-être les 24 slots, vous pouvez le faire évidemment avec la technique classique, navigation privée et l'onglet classique ou l'onglet classique. Ceux qui peuvent pas se permettre, c'est pas grave. Merci en tout cas à ceux qui le font, vous me régalez, comme d'habitude. Et peut-être hit les 16 joueurs la semaine prochaine. Il y a ça aussi, et je voulais dire un dernier truc, je sais plus ce que c'est... Vous voulez pas dire, danser peut-être. Et s'il veut le trou. Bon, voilà. Je ne trouverai pas. Donc du coup, dès que je me co, la session commence, messieurs, et je viendrai vous chercher au bateau, et ce sera juste parti. Voilà. Donc respectez-vous, soyez cool, et à tout à l'heure en game, on finit vers 23h, 23h00. Snow voilà. D'accord. Snow. Snow Luxray. Bonjour. Trop tard. Tu as un démon. Bonjour. Ah, mais il a fini, lui. Bonjour. Oui, Tain, dommage, on a oublié d'y poser la question. Bon, on verra bien. Merci, Yonkini, Yonkini. Bonjour. Est-ce que toi aussi t'as ton Mili? Bonjour. Bonjour. Mon quoi? Ton Mili. Mon Mili? Mili. Ouais. Où est-ce que t'as trouvé ça? Ouais, j'ai mon Mili. J'ai la contrebande, t'inquiète. Ok. Taisez-vous tous, sinon je sors la pomme. Oh, tu as une pomme. Sinon, je sors. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, je suis sûr. Bon, tout va bien te passer, t'inquiète pas. Je sais pas. T'inquiète pas, t'as un hôpital qui est en construction, t'inquiète pas. J'ai une pomme, calme-toi. Oh, je peux avoir ta pomme? Pas encore. Pas encore. Non, t'inquiète pas, elle va pas trop. T'inquiète pas. On est sage, en fond. T'inquiète. Oh, la porte s'ouvre. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes bonjour, bonjour. Bonjour. Le RP comme. Bonjour. Bonjour. Cet ourson est trop mignon. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Ah, j'ai les trous. Un assassin parmi nous. Monsieur Durand, comment ça va aujourd'hui? Non. D'accord. Alors, tu es juste un mec à capuche blanc avec des traits verts et des reliefs noirs. C'est ça, je suis un fanatique. Non, ah ouais, juste une cape. Un prêtre. D'accord. Un et toi, tu as une lampe torche sur toi? Oh. Oui, mais c'est pas de lumière. Ah bah... C'est bon ça. T'as essayé de l'alimenter avec de la redstone? Ouais, c'est pour visiter le cube des dames. J'ai essayé, mais rien à faire. À aucun moment, j'arrive à l'allumer. Ah, dommage ça. Il faudrait que t'essayes, Il faut se coller une torche sous la... Bonjour madame. Bonjour. Ah, c'était pas une madame. Bonjour monsieur. Je crois que vous avez pas du bon genre. Ouais, en effet. Ouais. Ouais, non mais les jeunes d'aujourd'hui avec leur mode des coupes de filles. Hein. Viens faire un concours de squat. Cette mode là, je ne comprendrai pas. Je suis vieux. D'accord. Je suis vieux. Je suis vieux monsieur. Non. Ah d'accord, bon moi si je suis vieux. Ah, bonsoir. Bonsoir monsieur King. C'est bien, ça a pas fait comme l'autre jour.
Eh, le voyage m'a donné a creusé l'appétit là. J'ai extrêmement faim. T'as déjà faim en arrière moi. Mais ah ouais, mais moi aussi j'ai déjà faim, c'est incroyable. Et la prochaine fois j'emporte une pomme. La prochaine fois, la prochaine fois j'apporte une pomme, c'est incroyable. Ou arrêtez de courir dans tous les sens, ça vous aiderait de pas avoir faim. Oui. Bah, tout droit, gauche, droite, vas-y, droite, gauche. J'aime toujours les termes petits sportifs. Ah, je veux savoir comment. Allez, moi je fais de l'athlétisme, monsieur. Bonjour. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on est plusieurs là? Qu'on est beaucoup là? Bonjour. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà allez-y, vu ici. Installez-moi. Ouais, moi aussi, c'est bizarre. Il y a plus de chaises. Ah si. Il y a plus de chaises. Venez sur mes genoux. Ah une chaise. Une petite place ici. Ah bah moi en fait, ouais, je vais rester debout. Je vais rester debout. Monsieur, viens, là du coup, on n'oublie personne. Non, c'est bon. Je pense que l'on est bon. Asseyez-vous, monsieur. Ok, asseyez-vous. Bah, c'est parfait. Bah, du coup, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle ouverture des frontières. Bonsoir. Je vois que nous avons de nouvelles personnes parmi nous. Donc, bienvenue à vous, en tout cas. Tout le monde vous souhaite évidemment la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, pas vraiment gros changement, mais. On continue à essayer de s'habituer évidemment à l'ajout du restaurant pour évidemment cette ouverture des frontières. Ça reste inchangé pour l'instant. Vous le savez, il y a maintenant les annonces dans votre messagerie qui vous permettent de savoir lorsque vous devez aller travailler ou lorsque l'événement va ouvrir. Donc les 1h30 d'ouverture des frontières va se dérouler de la manière suivante, évidemment. Vous avez un temps libre au début, après vous devez aller travailler et aller manger entre-temps si vous en avez besoin, évidemment. Et ensuite, enfin d'ouverture des frontières, vous aurez un événement dont vous n'êtes pas obligé de participer, mais en général c'est pour resserrer les liens, ça fait plaisir. On vous a concocté un événement vraiment sympa, comme à chaque fois j'ai envie de dire, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si je puis vous donner un indice, il faut que j'espère que vous connaissez bien les locaux parce que ça va être intéressant. Du coup, ainsi ceci étant dit, moi je vais laisser les anciens évidemment vaquer à leurs occupations jusqu'au moment où le devoir va les appeler, et je vais garder les nouveaux avec moi pour tout simplement les briefer un petit peu sur ce qui se passe en ville. Donc messieurs, vous pouvez circuler. À plus les nouveaux. Et les nouveaux, oui, bien sûr. Je vais vous demander. Allons-y. Au revoir à vous trois là. Salut. Il a failli. Salut les gars. A plus, à tout à l'heure. Oh, le beau peut-être. Messieurs, bienvenue à vous sur l'île. Hein, tu viens, merci. Durant, voilà. Tu viens. Bon, vous allez. Ah bah ça tombe bien ça. Ça tombe bien ça. J'avais un petit creux justement. Ah oui. Ça marche plus. Mais non, ça marche plus. Il l'a dit en plus. Allez-y. Ouh là. Ça tombe bien, j'avais un petit creux. Attendez, je vais mettre à la place de l'autre. À la queue le. Eh, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. Arthur, du coup, appuie sur le bouton. Je crois qu'il y a un petit bon, perso, non. Oui, Monsieur Tan, vous voulez pas me servir. Jetez-lui de la terre. Est-ce que vous prenez des gens au restaurant? Je sors en prendre une personne. Est-ce qu'on peut parler après? La phrase exacte, c'est sortez. J'ai faim. Non. Mais calmez-vous, monsieur. C'est long. Allons-y, sur place. Pourquoi vous roulez des pelles derrière? Mais calmez-vous. Des enfants. Allez-y. Est-ce que vous désirez de manger avec Akashi? Akashi, bien évidemment. Assassin. Avec... Je trouve ça mieux. Peu importe. Il va menacer. Il va menacer de mort. Il y a des nouveaux menus. Voilà. Ah, il y a des nouveaux. D'accord. Il y a des nouveaux menus. Il y a toujours le menu goûter avec deux fois. Monsieur Zaidou, que faites-vous? Je me casse. Il faut pas qu'on me voie. D'accord. Zaidou, il est pas là. J'irai dans une heure, je pense. Ok, à toutes. Bah, je serai toujours là. De lapin et de l'eau. Je vais partir sur le menu gourmand. Avec le menu gourmand, ok. C'est bien ça. Je vous invite à vous installer à la salle numéro 1.
Ouais, d'accord, je m'installe avec lui, je m'installe avec lui, je mange avec lui. Ah. Deux gourmands, s'il vous plaît. Deux gourmands. Ouais. Je vous invite. J'ai la dalle. C'est numéro okay. une. Okay. Bonjour. Bonjour, sur place ou emporté, monsieur? Allez, on va prendre un petit sur place. Sur place. Vous désirez oui. manger avec quelqu'un? Bon, si vous voulez. Ça m'est égal. Bah, quelqu'un de spécifique? Non, ou, non. N'importe qui. Non, n'importe qui. Ok, ok. Y'a pas de soucis. Ok, ok. Est-ce que vous avez entendu le menu ou... Comme ça, j'ai entendu dire, oui, qu'il y avait des nouveaux menus. Par contre, je n'ai pas très bien entendu. Ok. Bah, je vais vous faire la liste. Le menu goûter qui n'a pas changé, bien sûr, avec deux pommes et de l'eau. Le menu soupe, avec une soupe de champignons. Le menu classique, avec un steak et de l'eau. Le menu végétarien, avec une carotte de miel. Une carotte et du miel, pardon. c'est bon, une carotte et du miel. Il y a un menu gourmand où il y a dedans, il y a du ragoût, de lapin et de l'eau. Ah, il a changé le menu gourmand? Oui. Ah, intéressant. Je serais bien partant pour essayer le menu gourmand. Le menu gourmand? Oui. Bah, je vous invite à vous installer sur le numéro 2, monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Et vous, arrêtez de vous rouler des pelles, c'est dégueulasse. On n'a rien fait. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Bon alors attendez, on va attendre patiemment. Hop. Voyons voir. Si je bouge comme ça là. Je veux juste voir qu'est-ce que ça fait en fait, si c'est pixelisé ou pas. Ah, oh, ça va, c'est pas ça en vrai. Mais mec, je vais terminer comme ça en fait. Merde, attendez, je viens de faire de la merde, attendez, je suis en train de faire des... Voilà, c'est bon, ok. Bon, on va attendre du coup, on va attendre notre repas, voilà, on verra qui il y aura. Sinon, ouais, je suis content de faire ce RP, surtout qu'il y a Cold Gain. Alors, je vous avoue que quand Cold Gain m'a dit 2 semaines sur 6, ça risque d'être mort pour moi du coup. Oui. Tu... J'ai connu la guerre, il m'en faut. J'ai connu la guerre contre des gros creepers, sa mère. Je vais faire peur à monsieur. À monsieur Zaydi. Très bien, très bien. Mais sache un truc, j'ai connu la guerre, j'ai combattu une armée de zombies, de squelettes, de creepers, d'araignées. Et d'Enderman. Donc c'est pas un mec qui fait boue qui va me faire peur, t'inquiète. Spider-Man! Non, c'est trop fort! Attends, mais comment vous avez. Oh là là! C'est des génies, ces cons! Ouais, non, vous inquiétez pas, monsieur Aka. Vous inquiétez pas, monsieur Akashi, ils ont l'air un petit peu dissipés. Ouais, il y aura de gros problèmes parmi vous trois. Quoi? Il a dit quoi? J'ai rien compris. Si vous permettez. Comment ça se fait que vous aviez une pomme? Ouf! J'ai échappé belle. Hein. Ils avaient tellement. Ils ont essayé de me manger. Monsieur Durand, auriez-vous volé une pomme au restaurant? Comment? Auriez-vous volé une pomme au restaurant parce que parce que vous venez d'en manger une là. On est d'accord? Bah non, pas du tout. Mm-hmm. Pas suspect. Non, c'est que j'avais gardé la semaine dernière puisque j'avais pas fini mon menu gourmand. Ah d'accord, donc, c'est pour ouais, ça. Pardon. Ah d'accord, excusez-moi. Et vous là, vous commencez à me saouler là. Vous vous carrez avec moi. Hein. Taisez-vous. Mais, je suis sensible, je n'aime pas ça quand on me crie dessus. Ouais. Ah bon? Vous êtes sensible.
Oula, j'ai l'impression que vous êtes un peu à... Oui, bonjour. 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 Ouais. Ouais, j'espère, les gars. Merci beaucoup. Voilà. Bah, je vous j'avais soif. Merci, vous aussi. Merci bien. Mettez votre bouteille d'eau vide dans les tonneaux, s'il vous plaît. Merci. Très aussi. Bien, merci beaucoup. Oh, merci, vous aussi. Mais pourquoi M. Toblerone dit ça? De quoi? Attends, j'ai dit quoi? Ouais, excusez-moi, c'est la fatigue. Excusez-moi, c'est la fatigue. Attends, j'ai vraiment dit ça? Que le, voilà. Oui, que le chat me... Ça, oui. D'accord, bah c'est la fatigue, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Non, c'est parce que j'ai pas encore mangé, attendez. Ah! Voilà. Ah, c'est bon, tu vas pas commencer, ça arrive à tout le monde de se planter. Non, mais t'es trop... Je l'ai achevé, là, je crois. Mais t'es au courant que t'as jamais dit merci, moi aussi, vous aussi, hein? Ah bon? Mais non, c'est moi qui l'ai dit. Mais espèce d'enculé. Mais quel enfoiré! Ah, il me gonfle, c'est quoi? Mais si, c'est vous! Il me gonfle! Bon, allez, moi, je l'ai insulté! Merci, Mathis! Merci, Mathis, pour le follow! Bienvenue à toi sur la chaîne! Voilà, je fais caca! Cool! Cool! Si tu veux, si tu veux! On est en plein RP Minecraft là! On est en plein RP Minecraft, là, ils m'entendent pas là! Bon bah écoutez, moi je pense que je vais me promener dehors moi du coup. M'en fous. A plus tard les gens. Au revoir. Merci beaucoup pour ce repas, monsieur Taylor. Oh bonjour, monsieur Dull. Bonjour monsieur Toblerone. Bon, comment ça va? On n'a pas encore eu l'occasion de se parler aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon. D'ailleurs, je voulais vous voir vite fait justement à propos d'une question de ce que je vous avais proposé il y a quelques semaines, si vous vous en souvenez. Oui. Eh bien, écoutez, donc je suis en pleine réflexion vis-à-vis de votre deuxième proposition, il me semble, donc vis-à-vis des outils. Oui. Voilà, les machines restent pour l'instant un peu cela reste un peu compliqué pour l'instant à mettre en place. Donc pour l'instant, je range ça dans un placard. Voilà. Très bien, mais oui. Votre idée d'outils est retenue, ne vous inquiétez pas. Très bien, d'accord. Oui, mais après, voilà. Justement, je pense qu'en tout cas, avec les nouveaux arrivants qui sont venus, je pense que les chiffres d'affaires sera dépassé. Tout à fait. Bah écoutez, messieurs, en parlant de chiffres d'affaires, pour l'instant, vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations. Monsieur Durand, j'attends quand même de vous que vous soyez disponible. Je le suis. En toutes circonstances. Et donc un conseil, messieurs, profitez bien de votre temps de pause, enfin de votre temps de pause pour bien sillonner tous les alentours de la ville, car c'est peut-être en lien avec l'activité de ce soir. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Oh là là. Évidemment, pas de chasse au trésor. Hein, voilà, je vais tout de suite casser un de vos espoirs, peut-être. Mince. Mais voilà. C'est une chasse au trésor secret. C'est une chasse au trésor. Un conseil, profitez bien de votre temps libre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Ou une chasse à l'homme. Très bien, merci. Oula. Bon, plus tard, je vais aller dehors. À plus tard. Voilà. Bon, j'espère qu'on trouvera nos fameuses nouvelles recrues. Voilà. Je ne sais pas que c'est quand qu'il va falloir qu'on aille travailler. Là, j'aimerais bien savoir où sont les nouvelles recrues. Voilà. Alors du coup, Colgain sera mon cousin dans le jeu. Voilà, Colgain est mon cousin. Voyons voir au niveau de la plage, est-ce qu'il y a des gens? Non, il y a l'air d'y avoir personne ici. Très bien, et bah vu qu'il y a personne, et bah on va continuer. On va continuer, puis on va essayer de voir aux aventures s'il y a du gens. Voyons voir, si je me mets sur la butte, qu'avons-nous? Et le jardin, est-ce qu'il y a des gens? On va aller au jardin, les gens. Hop là. On va aller au jardin, on va trouver des gens. Ah, attendez, hop. On va essayer de trouver des gens avec qui causer. Alors attendez, hop, j'ai juste un truc, voilà. J'ai bloqué le fil de ma souris parce que... Disons que ce petit bâtard de souris adore faire de la merde. Voilà. Alors, voyons voir. Personne. Bon, vas-y, y'a personne.
Attends. Usine. Ah, l'usine est désormais accessible. Est-ce qu'il y aurait déjà des gens à l'usine? Je voudrais bien savoir ça. Je voudrais bien savoir. Ça serait pas mal de savoir ça. Alors. Ah, des personnes ici. Bonjour monsieur. Mince, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, attendez. Monsieur Lamotte. Ah, monsieur Lamotte, oui, bonjour. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de se parler. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai tendance à oublier les noms de famille. Alors, il vous a parlé du. Enfin, monsieur Gilles vous a parlé de l'événement qui aura. Oui. Voilà. Oh, oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, ils ont rajouté des pots de fleurs ici, là. Je viens de remarquer. Mais il n'y en avait pas avant. J'ai même pas fait. Non, il n'y en avait pas avant. Hein. Il me semble qu'il n'y en avait pas avant. Et il nous a dit qu'il faut. Il n'y a rien qui a été changé, mais il faut bien voir. Je vous ai bien précisé. Mm-hmm. Ah, mais je pense qu'il va dire, les gars, cherchez ça, mais il y a quelque chose au trésor. C'est pas une chasse au trésor. C'est pas une chasse au trésor, monsieur Akashi. Il faut bien retenir qu'est-ce que ça peut être. Ouais. C'est pour ça que là, j'essaye d'examiner toute la ville, comme ça. Je pourrais être. C'est vrai qu'il faut chercher ça. C'est vrai que il y a toujours ce système. Non, il n'y a rien. Peut-être dans les chaussures. Les shulkers peut-être, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Le château de sable peut-être? Non. Ici peut-être? Bizarre. Où est-ce que ça pourrait bien être? L'usine est ouverte, mais c'est pas l'heure de travailler encore. Non, c'est pas là. Non. Bah je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que monsieur Dulle voulait dire par là. Il y a Zakawel, monsieur Zaidou. Je sais pas ce que voulait dire monsieur Dulle par chercher bien. La salle polyvalente, ça te dit rien? Polyvalente entrée, ce n'est pas là. J'en sais rien. Mais j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, mec. C'est incroyable. Bonne question. Putabarne. Monsieur Durand? Oui. Avez-vous trouvé ce que oui. Monsieur Dulle a dit par rapport à l'événement de ce soir? Pas du tout, je cherche pas. Mais je pense, venez avec moi. Monsieur Tableran, j'ai une question. Oui. Vous avez un cousin? Oui, pourquoi? Est-ce celui qui est arrivé est-ce que de cette soirée ou non? De comment? Il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Tableron aussi. Ah! Attendez, vous voulez dire que j'ai mon cousin qui est là? Bah effectivement. Incroyable! Mais comment ça se fait, j'ai pas encore vu. Il est dans l'accueil? Oui, il est là.
Ah ben, enchanté, okay. Moi c'est de la mode, c'est Tom Lamotte. Eh ben, monsieur Lamotte. Mais... Moi c'est Emmerick Table Run. Tom, il y a... Emmerick, Emmerick, qu'est-ce que... Incroyable, comment ça va mon cousin? Ça va mon cousin. Bah ça va et toi? Ça va. Bah ouais mec, c'est incroyable mec. C'est incroyable que t'es là. Comment t'as... Comment t'as fait pour venir? Bah, je suis venu, j'ai vu, mais je suis venu. Tout le monde a... Ah ouais, d'accord, avez... ah oui, mec, c'est incroyable. Vous avez les mêmes couleurs de yeux, c'est vraiment sûr. Bah ouais, mec, c'est de famille. C'est de famille. Toi, t'es... Je vais juste les... Monsieur Doubleron, version oui. Bleue, et Monsieur Doubleron, version vert. Ça va. Ouais, c'est incroyable, mec. Eh, on a plein de choses à se raconter. Ah oui, depuis le temps. Comment va Tata? Bah elle va bien. Bon bah si elle va bien Tata. Bon bah si elle va bien Tata, alors tout va bien quoi. Ouais. Ouais. Bon alors... Pardon? Excusez-moi. Quoi? D'accord. Non, j'entends des voix, j'entends des voix. J'ai... Bon bah du coup, comment ça s'est passé ton entretien avec Monsieur King du coup? What? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Akashi? Là, il y a un petit chemin. Que fait-il? Un chemin. C'est la place. Bon, du coup, qu'est-ce que je fous sur. Qu'est-ce que je mets sur ces. Qu'est-ce que je fais sur cette chaise? Je voilà. Ne sais pas. Excuse-moi tout ça. Bon, alors, cet entretien avec monsieur King, du coup. Bah, très bien, très bien. Eh bah, mec, tant mieux, hein. Il a un gros chat dans la gorge, monsieur King, en ce moment, là. Je pense qu'il a attrapé ah. Mal. Ah, il est malade ouais. Mince. Bah, je pense, oui, il a un chat dans la gorge, monsieur King. Bah, ah. Monsieur Saïdou aussi. Monsieur Saïdou aussi. Oh, j'espère que c'est pas contagieux. Ah, ouais. Messieurs, bonjour. Je pense qu'il va falloir qu'on mette en place des gestes barrières pour éviter que ce chat dans la gorge se répande, je pense. Ce serait une très bonne idée. Ouais, ça c'est vrai. Malheureusement, je n'ai pas de barrière sur moi, donc je ne vois pas... Ouais, moi aussi. Est-ce que vous avez des barrières sur vous, monsieur Durand? Pas du tout. D'accord, très bien. C'est embêtant. Ouais, en effet, monsieur, c'est embêtant. Durand. Oui, c'est moi, je suis un des responsables de l'usine, avec monsieur Dieu. Ah, d'accord. Mais je pense qu'on va se présenter un petit peu plus tard, avant d'aller bosser, je pense. D'accord. Monsieur Durand, un peu sombre, ouais, mais très sympa. Il est sombre, mais... Exactement, il a... Sombre, mais clair. Voilà, exactement. Mais où, monsieur? Bon, je te fais visiter la ville en attendant, En attendant? Bah oui, j'ai carte libre, à ce que j'ai compris. Eh bah, viens, je vais te faire visiter la ville. De comment? Oula. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Magash? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Akashi? Monsieur Akashi? Oui? Je crois que vous aviez eu une petite extinction de voix, monsieur Akashi, c'est... Monsieur? Monsieur? Oui? Oui? Attendez? Oui? Oui? Là, maintenant, oui? On va présenter la ville à deux. Boum. Ah, d'accord, oui. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ah oui, d'accord, excusez-moi, c'est... Je crois que vous aviez mal entendu, en fait. Je crois que... Je crois que j'ai très bien parlé la langue. Suivez-moi. Vous appelez comment? C'est Ipuro Akashi. Appelez-moi simplement Akashi. Akashi, d'accord. Ceci est l'usine. Là où tous les... donc vous, je pense, vont travailler. Ouais. C'est immense. Ouais, non, c'est immense, immense. Et t'as pas vu l'entrée? Ouais. Là, ça va, c'est que l'accueil, mais... Là, c'est pour nous appeler, mais ne faites pas. D'accord. ne faites pas maintenant parce que faut pas trop les déranger là. Ah oh, la vache, les co! C'est incroyable. Le hangar sera ouvert. C'est là où vous pourrez travailler. Ils travaillent pour manufacturer des LED. Vous avez des soucis. Ils peuvent pas travailler sur le LED. T'inquiète. Le maximum possible. Ne t'inquiète pas, Emmerich. Je pense que monsieur Dull te formera sur. Sur le travail. D'accord. Ah, bah c'est bon. Quel est votre nom déjà? Mon prénom? Mon prénom. Emmerich, mon prénom. Emmerich, allez, Emmerich.
C'est mon cousin. En gros, la plage, c'est là où on va beaucoup se rassembler. Regardez, belle plage au cœur de l'île. Ensuite, c'est l'un des meilleurs points de rendez-vous. Si t'as, si tu veux prendre rendez-vous avec quelqu'un. La banque, sauf que le problème, c'est que puisque l'économie n'est pas encore arrivée sur la ville, puisque nous sommes trop. Nous ne pouvons pas l'ouvrir. D'accord. Hein ici se trouve le parc. Le parc qui, lorsque parfois, c'est bien. Une pièce au trésor, etc. Il faudrait passer. Il faudrait pour couper toutes ces terres. Oui, là-bas, c'est l'entrée pour l'hôpital. Qui n'est pas encore ouvert. Qui sera bientôt ouvert. Nous atteignons les 16 citoyens. D'accord. Il y a beaucoup de blessés ici pour avoir besoin d'un hôpital. Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu d'accident de travail. Ici, sur l'hôpital, hein, qui est le grand bâtiment. Ici se trouve la salle polyvalente. La salle polyvalente consiste à une salle là où se trouve l'animation. Parce que, en fait, après l'heure de travail, tu mets une animation. Et aujourd'hui, je pense que ce sera à l'extérieur de la salle. D'accord, il nous a parlé de logo, monsieur Looking. Quoi? Oui, de oui, logo? Il nous a dit qu'on ferait un jeu avec des logos. D'accord. Et ici, ce sont des appartements qui seront ouverts dès qu'on sera assez. Ah, c'est des appartements? Ah non, c'est le commissariat, ça. Oui, c'est le commissariat. Oui, c'est le commissariat. C'est le commissariat qui sera ouvert dès que... Dès qu'il y aura du crime, quoi. Évite d'écrire... C'est d'où dans la ville, c'est déjà un crime. Ah, c'est une petite ville. Ouais, très petite ville, mais peut-être que si jamais on est beaucoup plus nombreux, apparemment, il y a quelques petits projets d'agrandissement au niveau de la ville, apparemment, à ce que j'ai compris, mais seulement si on sera beaucoup plus de citoyens. Pour l'instant, il n'y a que 4 bâtiments. 4 bâtiments. Et qui sont fonctionnels, bien sûr. D'accord. Oui. Ouais. Et je suis... On en compte Monsieur Toblerone. Ouais, c'est vrai. Je vais pas tarder à lancer le service. Donc écoutez, tenez-vous prêts. J'ai même envie de dire allez maintenant à l'accueil. Comme ça, ça me fait des personnes en moins à regrouper directement. Voilà. D'accord, très bien. D'accord. Bah... Ah bon c'est d'accord. On est devant l'usine. J'allais faire le tour de la Vous êtes tous malades. De comment Non, mais moi j'entends tout le monde tous malades aussi. Donc, ouais, c'est. Ouais, moi aussi, bizarrement. Oh mince, on a attrapé le sale dans la gorge. Ah, je savais qu'il fallait des barrières. Je le savais. Bah là, on est tous contaminés. C'est un peu. Ah là là. Les locaux ont été ouverts. Ah bon, bah début de service. Alors, bon, bah. Par contre, j'ai pas écouté. Allons travailler. Bah du coup, ouais, il faut rentrer dans l'usine là. Du coup, il faut rentrer dans l'usine. Il vous appelle. Ok. Ouais, en avant. Je vais rentrer. Allez-y, après vous. Est-ce que tout le monde est dans l'usine? Je pense pas, on était là avant, mais je sais pas. Eh ben, je vais voir. D'accord. Il en manque. Ah oui, il en manque. Il manque qui? Je crois qu'il manque... Monsieur Durand, Monsieur Thon. Je sais pas, j'ai l'impression que... Pourquoi t'as tous eu un chien dans la gorge pour l'instant, mais... Est-ce que... Dans les météories, parce que je suis un peu scientifique. Je vois que C'est moi ou... Attendez. Ouais, je crois qu'il y a eu une petite pandémie de chien dans la gorge. Je crois, oui. Ouais, c'est pas très ouf, quoi. Oui, on est cousins, oui. On est cousins. La famille. Ah d'accord, ok. Ouais, et monsieur Akashi, monsieur Lamotte, vous aviez pas raconté ça, mais oui, effectivement, les cousins. Mais en fait, si vous voulez, je m'y attendais pas à ce que mon cousin... S'il vous plaît. Oui. Alors, pour les habitués, donc monsieur Lamotte, monsieur Toblerone, alors pas vous, évidemment, monsieur Akashi, l'horaire de travail commence dès maintenant, donc s'il vous plaît, vous êtes habitués, vous pouvez y aller. Merci X2 pour ton service de modération, d'ailleurs. En face de très bien, je comprends. Vous avez un chat dans la gorge.
Non, je comprends. Ah bon, on a tout, non, on a tout dans la gorge. En fait, ma théorie, c'est que l'oreille générale a un gros problème. Effectivement, vous m'entendez bien. C'est bizarre. Bon, c'est tout ça, nous, en fait. Alors, bon, juste, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, donc. Mais si, quand même. Mais donc, vous avez vos outils que je n'ai pas le temps de remplacer, que j'ai directement placé dans le coffre, le grand coffre qui est en face de la porte d'entrée, en fait, quand vous entrez. D'accord. Le grand coffre, voilà, je sais pas si vous voyez où c'est. En face, tout devant. Voilà, en face, vraiment. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc, allez-y, je vous laisse y aller. D'accord, pas de problème. Monsieur Durand, je vous laisse les. Allez au travail, les enfants. Comment? De comment? Je suis pas demandé quand est-ce qu'on finit. Ah, bah, ce sera marqué justement dans votre messagerie, vous inquiétez pas. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est nouveau ce pilier là-bas. Ouais, c'est vrai. J'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est. Bah, moi j'ai l'habitude de travailler dans le poste 5, je peux vous le dire. C'est... Ouais, nous on est plus là-bas. Nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, bah. Ouais. Bon, allez au travail, on essaye de battre le record. Où les outils? Non, c'est pas là, ici. Ah, si, là. Si, là. Là. Ils sont ici, le dernier. Voilà, ok, j'en prends une, parce qu'il y a la dernière fois. Oui. Non, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Tout à l'heure. Ah! Ok. C'est quoi ça? C'est pas ça. Je vais chercher deux autres outils parce que la dernière fois j'ai cassé trois cisailles. Allez, tac. C'est bon, prêt pour le travail. Je suis prêt pour travailler. Et hop, on est parti pour le travail. On est parti. Alors attendez, on va juste faire un truc. Voilà. On va s'optimiser. Voilà. Notre objectif là, c'est battre leur corps. Donc, on va optimiser le tout. Attends. Là. Voilà. On va mettre la bouteille ici. Et hop, du coup, on est parti là. Allez, notre objectif, c'est de remplir le coffre. Donc, on s'arrête pas tant qu'on n'a pas fini. Hop. Allez, bah, ils voulaient pas venir. Ok, bon, du coup, les gens, on est parti. Donc, c'est cool, hein, du coup, qu'il y a un petit lien de familial, tu vois. Du coup, ça rajoute un petit peu plus de RP, tu vois, le lien de familial, parce que c'est vrai qu'il y a quasiment personne qui avait pensé à ça, en fait. C'est incroyable. Donc, on est vraiment les premiers liens de famille à venir, quoi. C'est incroyable. Et ce qui est cool, c'est qu'il va y avoir l'épisode 5. Hein. Allez vous abonner à Snowlux Ray. Hein. Allez vous abonner à Snowlux Ray, c'est incroyable. Allez. Monsieur Tobler. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Eh ben ça va, j'essaye d'être le plus productif possible là. Mon but, c'est de finir ce coffre. C'est de finir ce foutu coffre que j'avais. Je fais que de passer par si tout va bien. Je vais pas vous embêter plus. Finissez-moi ce coffre et ce serait un grand pas pour tout le monde. Bonne chance. Bonne chance. À vous aussi. Merci. Ok. Vas-y.
On va le fumer ce coffre. Alors on est parti du coup. Ok. C'est bon. Alors j'espère que Monsieur King va pouvoir gérer son mal de gorge en tout cas. Kezako. Pourquoi parle-t-il ? Kazako ? Ah, comment ça se fait que Snowluxry il a mis un nouvel IP de Mumble ? Ah, Lou, excuse-moi, du coup, intervention, première fois qu'on va faire ça, gros problème avec le Mumble parce qu'il est hébergé chez OMG. Donc du coup on va switch de Mumble pour que ce soir on finit quand même la session jusqu'à 23h et genre on fera un rattrapage exceptionnel dans l'après-midi, on fera une CP de 1h30 pour rattraper parce que le problème technique ça vient de serve là en train de brûler donc on doit switch de Mumble. J'ai mis Mumble dans l'info, dans la barre d'infos, dans le chat. Mettez tout ce qu'il faut dedans et ensuite on se retrouve là-bas. Quoi que vous récupérez la voix, on fait comme si on était en population de tout le monde qui est. J'espère que vous passez. Vous prenez dans la description. Il retourne. Hop. Donc on va aller sur le nouveau Mumble du coup. On va aller sur le nouveau. Ok. Bon bah c'est dommage ça. Ok. Bon du coup les gens, pour ceux qui savent pas de quoi. Qu'est-ce qui se passe. En gros, il y a un problème avec Mumble là. Il y a un problème avec Mumble, c'est. Ok. C'est. Du coup, on fait quoi là? On continue? Bah, je crois que les autres ils vont fuir de Mumble. Bon, c'est pas grave. On continue, les gens. On continue, ça change rien. Les autres ils arrivent, justement. C'est bizarre ça. C'est dingue ça qu'il a fallu qu'on change de Mumble. Comment dire Oui. Bonjour. Ah, ouais, ok, non, coucou. C'est... Que s'est-il passé là? J'entends plus personne. Je sais pas, il y a... Que se passe-t-il? Je sais pas, il... Bonjour, il s'était passé quoi? Bah écoutez, je pense que finalement la voix nous est tous revenue. Donc, ouais, écoutez, en effet. Je pense que c'est tout va pour le mieux finalement. Je vais quand même aller me renseigner auprès de Monsieur King. Donc voilà, Monsieur Durand, je serai absent. Mais par contre, dès que je rentre. Ah, c'est curieux quand même, c'est inquiétant quand même. Oui, effectivement, c'était inquiétant. Je pense un problème d'aération, non? Peut-être, sûrement. Mais ça m'étonnerait parce que bah, vous voyez au plafond que j'ai mis des ventilateurs voilà, qui sont là exprès pour aspirer les particules de laine qui ont été travaillées. Donc normalement, ça ne devrait pas être ça. Donc c'est bizarre. Ah, monsieur. À moins un mauvais branchement, peut-être Peut-être, bon. Effectivement. J'irai regarder ça. Ah bah ouais, parce que. Monsieur Durand, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais... Bah du coup, je retourne travailler. Bah ouais, moi du coup, ça va être pareil. Bon. Essayez de le. Alors. Bonjour monsieur. Bon. Bonjour. Je reviens, je vais aller voir monsieur. Très bien. Ok. Bon, normalement, ça a l'air de mieux se passer, j'espère. Voilà. Un membre du personnel est demandé à l'accueil. Bon, du coup, ouais, on a dû changer de Mumble, les gens. Voilà. On excusera bien évidemment Snowluxray, du coup.
Voilà, on continue ce foutu double coffre là. Je veux qu'on le remplisse ce double coffre, ok? Donc là, les gens, on va le remplir ce double coffre là. C'est moi qui vous le dis. Si on le remplit pas, je me nommerai plus Toblerone. Hop. Du coup, on va continuer comme ça. Alors ça, c'est la meilleure technique, les gens. Pour ceux qui viennent sur le serveur, ça, c'est la meilleure technique, justement. Vous ne bougez pas et vous restez appuyé sur les deux boutons. Parce que du coup, tout le monde est là. Oui, tout le monde est ici. Ok. Ok. Bon, du coup, ouais, c'est vrai que du coup, là, c'était bizarre, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça brûlait comme ça. Je sais pas pourquoi. OMG, ça, je dis. Ok. Mais je le sais, mais monsieur Perlin. Un bot Durand m'a appelé Lamotte et appelé Seigneur en disant qu'il nous appelait aussi. Bah oui, mais je ne sais pas pourquoi monsieur Durand. Vous appelez, Je pensais que c'était vous qui avez bon, allez-y, monsieur Perdard. En fait, il y a un gros problème et je pense que monsieur King est remonté contre vous maintenant. Comment ça se passe-t-il? Durand nous avait dit. Oula! Ah, il y a des embrouilles! Ah, il y a des embrouilles là? J'ai pas envie de savoir! Mon dieu! Cette soirée est bizarre, bizarrement. Quelle est donc cette poisse? Les serveurs d'OMG servent brûlent. Tout va bien, mec, tout va bien. Bon, allez, c'est pas grave, on continue le double coffre. On tryhard le double coffre, là, les gens. Attendez, ça me gratte le nez, voilà. D'ailleurs, attends, j'en profitais, hop, pendant qu'il n'y a personne. On va profiter pour voir comment ça se passe au niveau de ça. Oh, ça m'a l'air de bien se comporter, hein. Ça a l'air de bien se comporter ici, regarde ça. Bah mec, je pense qu'on va rester comme ça, hein, à partir de maintenant. Je pense que quand je vais stream, je vais faire du 720p. Hein. Bah je pense qu'on va faire ça, hein, la prochaine fois. Parce que là, franchement... Ça bug pas du tout, là. Nice, j'ai envie de dire. Nice. Du coup, ensuite, la suite, bah après, y a pas grand chose à dire après au niveau de la suite, hein, là pour l'instant. Alors le coffre, est-ce qu'il avance? Ouais, t'inquiète, là j'allais le remplir, là. Regarde ça. T'arrêtes pas pour moi, continue, je regarde juste, je passe de temps en temps, t'arrêtes pas. Ouais, là, je tryhard. Oula, j'ai pris de la laine, excuse-moi, hop, je te la redonne. Ouais. Niveau fin, est-ce que ça va sur une échelle de 1 à 10? Non, c'est bon, ça ira niveau fin, je peux tenir encore. Tranquille, et ben. Je peux encore. Je vous laisse alors. Continuez bien. A plus tard. Ok. On rappelle que du coup, Erwan Durand passe assistant, du coup. Donc il assiste auprès de monsieur Is No Good.
Et en vrai, c'est pas mal. Moi, je suis bien au niveau de l'usine. Hein. Est-ce que je vais vouloir de faire autre chose plus tard? Je sais pas. En vrai, pour l'instant, je suis bien là. Au moins, là, j'ai un truc, tu vois. Là, au moins, j'ai un bel objectif. C'est vraiment tryhard ce four. Et je crois que là, j'ai vraiment le bon objectif, tu vois. Mon portable qui sonne, c'est un plaisir, en tout cas. Ouais, c'est bizarre, en fait. Je voudrais bien savoir avec Spellstreak ce qui s'est passé avec les serveurs, du coup, parce que... Alors du coup, on continue ce coffre, hein, du coup. Et là, on est bien, là. Là, on est bien. Si on arrive à remplir tout ce foutu double, le coffre, franchement, comme je vous l'ai dit, moi, je serais bien. Allez. Là, bah, si ça, il va péter, va falloir que je commence à switcher... Attention. Voilà. En tout cas, j'espère que les petits nouveaux, ils s'en sortent, hein, voilà. Genre, petit génie et Slimy aussi. Parce que c'est vrai que du coup, Slimy, il peut pas venir regarder le stream ce soir, parce que sinon, c'est considéré comme du stream hack. Et donc, du coup, bah, rape. Ok, c'est bon. Allez, on continue. Et hop. Alors, du coup. Excusez-moi. Voilà, c'était le petit bail. Le petit baillement. Je suis en train de regarder aussi au niveau du stream, ça a l'air de bien se passer au niveau du 720p. Donc j'ai envie de dire, moi je le vois tel quel le stream. Après dites-moi les gens comment vous le voyez le stream. Pour l'instant, moi je le vois bien le stream. Le stream se passe bien en tout cas. Voilà. Excusez-moi. C'est la fatigue, Je me suis couché quand même à 2h du matin hier soir, donc c'est un petit peu normal. Je me suis levé, il était 8h30. Voilà, pour faire la matinale. La petite matinale. Voilà. D'ailleurs, demain, il va y avoir des petits changements, étant donné qu'il y a eu l'ouverture de SkyRP. Il va y avoir, du coup... Va y avoir du coup la suite, voilà. Il y aura du coup la suite. Demain. Ok. Ok, donc, du coup, la suite. Je pense qu'on ira essayer de faire un petit tour, voir les autres. Ok, c'est juste Monsieur Nul. Tout va bien.
Peut-être récupérer ça avant qu'il y ait un petit clear lag là. Voilà. Ah ouais, on est bien. On est bien là. Un membre du personnel est demandé à l'accueil. Ok, ok. Bon, du coup, le coffre, il avance, petit à petit. Ok, bon, après, on ira, on va re-remplir le coffre quand même pour savoir où on en est là. Hop là. Alors, viens voir. Tac, 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 tac. Oh la vache! Stop le run! J'espère oui. Que le coffre se remplit vite, c'est bientôt fini! Bah regarde-moi ça! C'est quand même pas mal, on a eu beaucoup de soucis, donc désolé. Ouais, Ouais, merci. Je suis quand même assez dégoûté du coup que c'est pas. Excusez-moi, j'ai eu un petit chèque dans la gorge! Je suis quand même assez déçu de la performance de ce soir quand même, parce que bon, malgré. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Donc, ouais, c'est ça le problème en fait. Il n'y aurait pas eu de problèmes techniques, je pense qu'on aurait pu avoir le quota. Mais je pense que le quota il va être fait quand même. Bon, allez, tenez les bons, c'est bientôt fini. Tenez bon. Ah, vous inquiétez pas, je tiens bon là. Ouais, c'est vrai, il n'y aurait pas eu le problème avec OMG Serve. En vrai, on était pas mal. Hein. Ok. Nyon. Fin de quartier. Fin de service, quartier libre. Oh, déjà, c'est tellement passé vite. Putain, c'est tellement passé vite. Faut remettre les outils. Putain, c'est venu plus vite que prévu. C'est passé plus vite que prévu. La semaine dernière, c'était plus long. C'est peut-être une impression, à force que. Ouais, ou alors. Peut-être une impression, effectivement, mais. Excusez-moi de vous déranger. Mais c'est nécessaire pour la suite. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer lors du briefing. Voilà. Très bien. Ah, bon, je ne sais pas si vous avez déjà déposé vos laines dans les coffres. C'est fait. Mais donc sinon, écoutez, le temps que je regarde tout, rendez-vous à l'accueil, messieurs. D'accord, pas de problème. Faut ranger nos... Allons-y. Oui, vous prenez les laines qu'il y a dans vos coffres, dans votre box, pardon, et vous venez les placer ici. Ah mince, faut les déplacer. Ah bah attendez, je reviens. J'ai oublié les laines. Vite. C'est bon, j'ai mes laines. Je vais vous inviter à vous rendre que nous déposions toutes les laines dans le compte de stockage et que j'arrive à faire mon brief. Très bien. Ok, c'est bon. Allez-y. Alors, oui. J'ai un problème. Moi, je n'ai jamais faim. Vous n'avez jamais faim ? Je n'ai jamais faim. Depuis que je suis là, je n'ai pas faim. Bah écoutez, vous avez une endurance à toute épreuve, mon ami. D'accord. Écoutez, j'en parlerai un petit peu à Monsieur Taylor, mais je pense qu'il saura de quoi. C'est pas mon cousin, ça. Il aura de quoi vous mettre en appétit. D'accord. Okay. Ah, c'est bien mon cousin. Ça, c'est de famille, ça. Rendez-vous à l'accueil, messieurs. Tata l'avait toujours dit, t'es très, 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 très endurant. Comparé à moi. Je suis hyper endurant, là. Depuis une heure. Ouais, c'est vrai. Ah, les cousins Toblerone. Oui. On a cousins.
Oui, ah d'ailleurs. Il faut que je teste un truc, je vais me mettre à courir dans tous les sens sans aucune raison. D'accord. Oula. Ah, vous inquiétez pas. Je suis rentré dans l'usine, il y a monsieur Duhul qui sortait de la porte, il m'a fait trop peur. Monsieur Toblerone, ça va bien? Oui, attendez, je me dégourdis les pattes. Ah oui, très bien, je vois bien. Du coup, il a toujours été sportif dans la fin. Ah! Bah non, j'ai pas faim. J'ai vraiment pas faim. D'accord. Messieurs, bah, d'ailleurs, messieurs, on a pas pris connaissance. Comment vous appelez-vous d'ailleurs? Présentez-vous. Voyons. Je me nomme Monsieur Perdaro et vous pouvez aussi m'appeler Allié. Ah, d'accord. Et bah, moi, c'est devenu un scoop depuis Dorian Toblerone. Voilà. Très bien. Il manque. Et vous? Et vous, monsieur, à la lanterne qui ne s'allume pas? Moi, c'est Bob. Non, j'ai pas encore ma liste. Bob juste, Bob un... comment Bob Fer. Bob Fer. Bien, la tout le monde est là. D'accord. Enchanté, enchanté. J'ai l'impression qu'il monte du monde. Tout le monde est là? Oui. Oui. Alors, monsieur Thon, monsieur... Oui, où sont... Ouais, c'est vrai. Où sont partis monsieur Thon et monsieur Lamotte? Monsieur Thon, monsieur Cachier, là... Je les ai même pas vus sortir. Ouais, je pense que Monsieur Thon est parti au restaurant, je pense, en réalité. Ce n'est pas grave. Très probable. Je reviens. Ah oui, non, Monsieur Thon, il est parti. Ah. Bon. Ouais, c'est pas oups. Je viens de me rappeler que... Et le coin était fermé. Je viens de me rappeler que Monsieur Thon voulait parler à Monsieur oui. King. Ah bon, on est enfermé. Aussi, Monsieur Fer, donc ça doit être ça. Mais bon, mais... Alors... messieurs, donc fin de cet horaire de travail un peu mouvementé, hein, on va pas se mentir. Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses à vous tous sur la gestion des outils qui a été absolument catastrophique. Je suis le seul responsable et voilà, je m'en vois désolé. Je tenais bah, à vous inquiétez pas. Mes plus plates excuses. Voilà. Vous en faites pas, ça arrive. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise pas. Monsieur Dill, oui. Monsieur Dill, c'est normal. Monsieur Dill, oui. Excusez-moi, j'ai oublié. Vous avez oublié? Je vais le remettre. De quoi? Je viens de me rendre compte que il a oublié. Un outil. Bah, donnez-le-moi, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de donner ce genre d'outil, donc je le range moi-même. Parfait. Pas de soucis. Voilà, juste pensez la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Alors, donc maintenant, pour ce qui est du quota. Donc je rappelle pour les nouveaux, le quota qu'est-ce que c'est? C'est un objectif de laine que je donne à l'ensemble des ouvriers ici présents. Ou qui ne sont pas au complet, mais ce n'est pas grave. Donc, la semaine dernière, il me semble que nous avions atteint un score phénoménal de deux doubles coffres, un coffre simple et... Parce qu'on avait plus de temps. Et, oui, aussi, effectivement, M. Kashi. Mais voilà, donc, effectivement, voilà. Aujourd'hui, travail exceptionnel, fait exceptionnel, donc mesure exceptionnelle, donc quota exceptionnel. Ce n'est pas grave si nous retombons un peu en baisse. Nous avons aujourd'hui atteint un quota de... 3 coffres simples, 5 stacks et 23 laines. Donc ça reste quand même tout à fait honorable. Et messieurs, félicitations à vous. Est-ce que ma laine a été récupérée? Oui. Monsieur King, cette agression. C'était 3 coffres simples, 5 stacks et 23 laines. Voilà. Papa Papa Alors, messieurs, juste, nous allons donc. Nous allons donc juste. Qui a appuyé ici par contre? Il faut pas appuyer ici! C'est moi qui vous l'appuie. Je vais vous laisser un temps libre. D'environ 5 à 10 minutes et après cela nous allons nous retrouver à la salle polyvente. Donc 9 minutes, vous avez 8 minutes de temps libre maintenant, pardon, excusez-moi. Tiens, caché là, ça suffit. 8 minutes de temps libre et après rendez-vous à la salle polyvalente. De toute façon, je suppose qu'on sera pas mieux. Oui, bien sûr. Parce que bah, on va vous dans ce cas-là. Alors, tu viens, mon cousin? On y va. Ouais, on y va. Allons te présenter le restaurant, tiens. Ah oui, bon. Je vous le rappelle, ouais. Pitez-en pour bien regarder la ville. Voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Quelqu'un veut se prendre? J'irais bien faire un semi-marathon pour voir si j'ai faim. Vas-y. Bah, tu me retrouves au restaurant? Non, c'est pas la peine en fait. Tu vas où au restaurant? Ouais, au restaurant, c'est le bâtiment vert. Oui, je sais, je suis allé tout à l'heure. Ouais. Bah, en avant, du coup. A tout à l'heure du coup. Oui, bon marathon.
Voilà, bon, on va aller au restaurant, on va aller se prendre un... Ah, Monsieur King, bonjour. Je vous avais pas croisé de la journée que vous étiez arrivé. Mal, totalement malade. Ah oui, bah en effet, ça s'entend. Ah oui, on entend... J'économise mes mots. Ouais, en effet. C'est Modul qui prend en charge la suite, hein. Je vous laisse... D'accord. Bon repos à vous. Merci. Non, sors pas maintenant, petit chien. Sors pas maintenant, Filou, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Je veux faire l'événement à son paroxysme. Attendez, je vais aller ouvrir des locaux. Très bien. Ah, les locaux sont ouverts. Ah. Sur place, à emporter, monsieur Akashim. Emporter ce que j'ai envie de faire l'événement. Emporter, ok. Vous voulez prendre un menu classique? Oui. Non, je pense qu'il faut 2 menus classiques minimum si je veux survivre. 2 minutes classiques. Mm-hmm. Bah, je vous ramène ça. Parfait. Et vous, monsieur Tableron? Également, 2 minutes classiques à emporter. Ok, bah je vous ramène ça. D'accord, ici. Alors, comment il va votre cousin? Ah, mais c'est dur. Excusez-moi. Monsieur... Oui. Pas grave. Vous avez faim? Et effectivement, j'ai très faim. Ces allées et venues à l'usine. Monsieur Tableron? Oui. Ou monsieur Akashi? Moi, je prends en premier. Vas-y, allez. Parfait, merci. Vas-y. Et à moi. Et voilà, monsieur Tableron. Merci bien. De rien, bon appétit. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Bon, alors, du coup, le fameux événement, du coup. Déjà, allons jeter ça à la poubelle. J'ai jeté dans la poubelle. Ah ouais, je l'ai jeté dans la poubelle. Ah, re. Alors, du coup, ton marathon. Bah, mon marathon, je pense que je peux faire 20 fois le tour de la ville. Hein. Ça ne changera rien. Putain, t'as les os solides, mon copain. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà, on et Tata, elle avait raison. Hein. Elle a fait un athlète. Hein. Ah bah, il a fait un dieu, là. Ah, tu es notch, effectivement. C'est du bon, coup, il m'a pas envoyé d'éclair. Oh, Notch, bénissez-nous, Notch. T'as mangé, là? Ouais, je viens de manger, là, ouais. Ok, bon, on va rejoindre les autres, peut-être. Yep. Alors, attends 2 secondes. Ça nourrit, ce truc? Oui, ça nourrit. Non, c'est faux, ça nourrit pas, mais... Ça rassasie la soif. Hop. D'accord. Oui. C'est le RP. Bonsoir. Monsieur... J'ai oublié, je suis désolé. Vous avez peu de... J'ai oublié votre nom, désolé. Non, vous inquiétez pas. Vous êtes très intelligent et très important à la vie. Vous êtes très beau aussi. Merci, c'est gentil, mais bon. J'ai chaud quand je vous regarde. Oula, monsieur Saïdou. Oula, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que monsieur Saïdou, calmez-vous, monsieur Saïdou. Venez, on va faire de la respiration là. Venez. Allez, faites comme moi. Voilà, c'est bien, voilà. C'est bien, allez, on respire, monsieur Saïdou. C'était pour se calmer. Ouais, c'était pour calmer monsieur Saïdou. De distance, 12 mètres de distance. Je vais pas attraper le truc. Il y a pas un mètre. Mon dieu. Oh là là. Bon. Alors attendez, je vais me cacher ici pour l'instant. Parce que, attendez. Rien. Ah non, c'est bon. D'accord. En fait, voilà, il y a Filou juste là. Voilà, tu dis bonjour à la cam, Filou, là? Tu dis bonjour? Ouais, d'accord, il en a rien à branler. il en avait rien à foutre.
Bon, alors du coup, attends, l'événement est sur le point de démarrer. Attendez-moi ! Où est l'événement ? Il est où l'événement ? L'événement ? On se dépasse pour le moment. Ah ? C'est l'événement ? C'est l'événement ? Ouais, apparemment. Ah oui, oui. Allons-y. Où est l'événement ? Monsieur Bob. J'ai faim. Avance. Revenez. Magnifique. J'ai mon cousin qui est en train de se réjouir parce qu'il a faim. Incroyable. Waouh, des fleurs. On crée pas l'intérieur, on crée pas l'intérieur, nous avons l'événement. Ouais, c'est bien ça. Ah du coup, faut quand même rentrer à l'intérieur. Non, là on se dirige à l'événement et après on verra plus tard. Ah d'accord. Demain. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que... Quoi ? Merde, attends. Non, sors. Attendez, je crois qu'il faut sortir. Sortez. On a rien vu. Promis, on a rien vu. Non, mais vous avez le droit, hein. Vous avez le droit. Ah, d'accord. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? On va savoir ce que c'est. C'est des questions. Ça doit être des questions. C'est des sûr. Questions ? Oui, il y en aura une personne qui va présenter. Moi, je suis sûr, il y a des pistons en dessous. Et si on se trompe de réponse, on tombe. Oh ! Mais. Quoi ? Pourquoi on tomberait ? Bah, je sais pas, regarde. Les carrés blancs, on dirait qu'il y a un piège. Et si tu réponds mal, ça s'ouvre et tu tombes. Mais pour quel. Non, il n'y a pas de danger. Bah oui, il n'y a pas de danger. Voyons voir. Monsieur King, il va quand même pas nous faire tuer. Non, il va pas nous séquestrer, Monsieur King. Je crois que la séquestration n'est pas dans les objectifs de Monsieur King. Ce serait quand même absurde. Oui. Mais je pense que Monsieur King n'a pas la séquestration dans ses objectifs. Très sûrement pas. Encore pire que le sas quand vous m'en donnerez l'ordre. Très bien, bah je pense que l'on va pas tarder. Il manque pas des gens ? Si, justement, donc je pense que je vais après, c'est à eux de se rendre à l'heure. Hein. Effectivement. Je me souviens, j'ai fini premier à l'événement dernier. Voilà. Bravo, c'est vrai. Je le rappelle. Ah oui, c'est vrai, j'avais enfin perdu. Suite à mes deux victoires d'affilée. Bon, je vais ouvrir du coup. Bon, allez-y, monsieur King, allez-y. Ah hop. Ah voilà. Monsieur Kashi. Parfait. Parfait. Je suis le premier. Bonjour. Je suis le premier. C'est bon, Emmerich, t'es content, t'as faim ? Allez-y. Oui, j'ai mangé. Allez-y, vous pouvez assez. Ah, d'accord, bah on y va alors. J'ai rien, je sais pas c'est quoi comme événement. Ah, c'est très endurant. Hein. C'est joli. Attends, hop là. C'était congénère. C'est congénère. Pas de facture ? Ok, bah voilà. Allez, 5 questions. Avoir des amis qui alors, je sais pas. Oh là là, attends. Bonsoir et bienvenue. Écoutez-moi, c'est notre projet. Mais non. Mais oui, c'est notre projet. Les gars, j'ai un cri de guerre. Alors, Vas-y. Allez. Belle imitation, mais je ne sais pas d'où ça vient, par contre. Je suis d'accord, je ne sais pas d'où ça vient. I will to kick your nico nico kneecaps. I have a dream. You have a dream. C'est cette langue. C'est des questions, moi je joue pas. C'est une langue très ancienne. Exactement. Ah, oui. D'accord. Avouez la baguette, man. J'ai un rêve. Donc monsieur, vous êtes très âgé dans ce cas-là. Si jamais vous connaissez une langue ancienne. Ouais, non, en fait c'est une langue ancienne qui se transmet de génération en génération par ma famille. Bien joué. Merci tout ça. Bah pourquoi on a changé de langue ? Bon bah moi je vais m'asseoir comme un vulgaire spectateur. Alors, c'est des réflexes. Allez vous asseoir s'il vous plaît, monsieur Lamotte, allez vous asseoir. Ah faut aller s'asseoir, ok. Hop là. Servez-moi une petite place. Vous entendez bien ? Alors, ah bon, oui, on vous attend bien.
C'est vrai? Oui. Oui, oui, oui. Oui, monsieur King, vous êtes là. Ah, attends, on va juste... Bon, est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, oui, très bien. Je suis content, à peu près. Bon, si vous avez du mal à m'entendre, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu. Non, c'est bon, pour vous. Voilà, n'hésitez pas à écouter monsieur Dulle. Eh, ben ça va mieux, là, vous. Est-ce que vous m'entendez à droite? Oh. Ok, si jamais vous avez, mieux, vous avez King. Un peu du mal, n'hésitez pas à vous rapprocher. Alors, apparemment. Il a plus le chat. Il a réussi à l'enlever. Merci d'avoir ouvert le sas. Merci beaucoup. Il a réussi à l'enlever. Il s'est fait soigner. Et bravo à vous pour votre service. C'est beau, la médecine. Et merci à vous. Et bravo, pardon, pour la réapparition de votre voix aussi. Ah bah, merci. Écoutez, on se guérit comme on peut, mais ça peut tomber vite, donc je préfère pas faire le bruit. Voilà. Bon, alors. Merci pour les applaudissements. Merci. De rien, de rien. Messieurs, messieurs. L'activité de ce soir est un peu particulière. Parce qu'il y a un décor en laine. Exactement. Ouais, mais, je vais peut-être couper monsieur Dulle, s'il vous plaît. Et oui, elle pardon, va se faire en équipe, mais pas en équipe de 2, pas en équipe de 3. Ça dépendra des personnes qui veulent jouer. Alors, déjà, avant de faire des équipes, quel est le principe? Eh bien, c'est très simple. Vous allez être 2 équipes à qui je vais poser des questions. Et à la fin, l'équipe qui aura répondu le plus vite possible et qui aura le maximum de bonnes réponses aura gagné. Tout simplement. Ah, et la lumière sert comme buzzer. Ça. Voilà, c'est ça. Bravo. Bien vu, la tout simplement. Donc, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Donc, est-ce que... moi, je ne joue pas. Je ne vous ai pas compté. Ouf. Ah, ouf. Je ne vous ai pas compté, monsieur. Ouf. Oh, c'est pas grave, je m'en remets avec cette pomme. Bon. donc, monsieur Taylor, donc vous ne voulez pas jouer, c'est cela? Non. Non? Très bien. Donc, non, non. Donc, ça ferait une équipe de 4 et une équipe de 5. À peu près. Si tous les autres veulent bien jouer. Bien grave. Si tous les autres veulent jouer, bien évidemment. Oui, oui. 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 Bah écoutez, ouais. Je vous laisse faire les équipes et donc équipe une équipe à droite, une équipe à gauche, s'il vous plaît. Bah pourquoi pas. Non, moi j'ai à gauche là. Pourquoi pas. Moi je suis à gauche. Moi je reste avec toi parce que je t'aime bien. Bon bah c'est bon, on a notre équipe de 5. Ouais bah ouais, équipe de 5. Allez, venez partir. Allez. Stéphane demande à lui. Messieurs, les équipes sont faites. Je pense. Oui. Hein. Alors, je vais. On peut pas l'équipe là. Oui. Et oh. Doucement. Oh, vous allez vous calmer. Oh, calmez-vous. Messieurs, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais vous poser un total de 10 questions, plus si jamais je dois encore une fois départager les deux équipes. Quand je pose une question, dès que j'ai fini de poser, si vous jamais l'un d'entre vous a la réponse, vous pouvez buzzer. Ce sera l'équipe qui buzzera. Et dont la lumière s'activera en premier, à qui je donnerai la parole en premier. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas la bonne réponse dès le premier buzz, ce sera à l'équipe adverse à qui j'accorderai la parole. Et ainsi de suite. Si jamais l'équipe adverse n'a pas non plus la bonne réponse. Est-ce que cela vous va? Oui. Oui. Sur les libres, ce n'est pas pour rien. Oula. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que bien évidemment les questions porteront sur la ville. J'ai tout retenu. C'est parfait. Voilà. Aïe aïe aïe. Oula. Ah, c'est pour ça. Moi j'ai rien fait de la ville, j'ai rien on fait. A rien fait. on a perdu, on a les 3 nouveaux dans notre équipe. C'est pas grave. Non. T'inquiète. Cette équipe est parfaite. Vous ne procéderez pas à un changement? Non, c'est bon, non, on relève le défi. Non, c'est une très bonne équipe. Oui. Allez, relève le défi. C'est nous. Il y a combien de monde dans la ville? Nous avons le fils de Notch avec nous. 46 ou 8. Vous êtes prêts? Première question. Ah non, mais j'ai rien oublié. Oula. Question numéro 1. Combien y a-t-il de pièces dans le restaurant? Mais va. Ah, équipe de gauche. Alors, d'après mes calculs, environ 6-7 pièces. Non, combien? Donnez un chiffre. Je n'accepte pas le pièces. Environ 6. 6, ouais. Raté. Non. T'as l'équipe de gauche. On a le droit de débloquer ensemble. Ils ont dit combien? Attendez. Je pense qu'il y en a 6. Il y a les 3 pour manger, il y a celle de l'administration. Ah, ça fait 5. Non.
Il y en a 7. Vous avez dit combien? 7. C'est une bonne réponse. Oui, purée, non. La cuisine, j'ai oublié la cuisine. 7, il y a 3 salles à manger, il y a... Il y a le salon, il y a la cuisine, et il y a deux trucs pour les gouvernants. Il y a la salle principale, il y a trois salles à gauche, il y a deux salles à droite, il y a la salle au fond, il y a la salle au fond qui est la cuisine, et on a la salle d'entrée. Non, il y en a 7. Ouais, ouais, ouais. Ça fait un point pour l'équipe à gauche. Bien joué. On peut voir. Non, je mange pas, je sais pas moi. Les anciens. Les anciens contre la team des anciens contre la team des nouveaux. Des nouveaux, d'accord. L'équipe, vous voulez dire. Des mi-nouveaux. L'équipe, non, excusez-moi. Ouais, des mi-nouveaux, s'il vous plaît. Des mi-nouveaux. Voilà. On respecte mon ancienneté là. Alors. T'inquiète, c'est nous. On est vieux. Deuxième question. Combien de cheminées possède l'usine? Oula. En même temps. Ouais, mais. Bon, allez, dites-moi un chiffre en même temps. 1. Moi j'ai vu une. Moi j'en ai vu qu'une. Moi j'en ai vu plusieurs. 5, 4. Alors qui me dit 5? Moi j'en ai vu qu'une. 5. Très bien. Je suis trop peu de. Bah non, je dirais 3. 4. Moi j'en ai vu qu'une. Mettez-vous d'accord. Donc 3. Non, 3. Ouais, ouais, moi aussi j'ai vu 3. Non, j'ai vu 3. C'est 3. Donc pour vous c'est 5. Moi c'est 3. Non, j'en ai vu 3 quand même. Non, c'est 3. C'est 3. Pour vous c'est combien? La majorité de chez nous on dit 3. 3. Et donc pour vous? 5. 5. Vous n'avez pas la bonne réponse. Aucun. Ah, 4. Ah. Il a rebuzzé direct, hein, je suis désolé. Donc, 4. Combien? 4, c'est la bonne réponse. Purée! Je vous ai dit que c'était 4. Aïe. Je vous ai dit que c'était 4. Vous m'avez pas cru, je vous avais dit que c'était 4. Messieurs, un peu de sérieux, un peu de concentration, s'il vous plaît. C'est rouge. C'est rouge. Question. Je vous avais dit que c'était 4. Question numéro 3. Qui a remporté l'activité de la semaine dernière? Ah non. Monsieur Lamotte. Monsieur Lamotte, c'est une bonne réponse. Et Alias. Merci. Ils ont buzzé en premier à gauche, hein, mais merci. Bon. À gauche? Bah oui. À gauche. C'est là la gauche. C'est là-bas la gauche. Oui, mais là, j'ai entendu la réponse à droite. Oui. Ah bon? Ah ouais, bah pourtant ça. Bah, baiser où par contre? Ouais, mais faut baiser, hein! En fait, la droite, la gauche. Je n'accorde pas le mot. Ouais, mais la droite, ça si, s'il a été prononcé. Ah non, mais je suis d'accord. Bon. Mais je croyais que vous aviez compté. J'ai cru que vous avez pris la réponse de monsieur Toblerone, non la réponse de gauche en fait. Ah non, mais moi je le savais, mais moi je sais que. Vas-y, dis-moi. Vu que. Ok, ça reste. Pas de soucis, excusez-moi. Je vous aime. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'aime beaucoup le marié. Oui, c'est mignon. Ah, mais. Attends de te coucher. Alors, il y aurait une pierre lumineuse, mais... Allez, un peu plus de rythme, monsieur Jules. Effectivement. Ouais. Allez, quatrième question. Il n'existe aucune fleur de couleur violette sur l'île. C'est pour monsieur vous. Ouais, c'est par rapport à vrai. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'ai dit que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. C'est vrai. Je disais qu'il n'y en avait pas, mais j'ai pas compris la question. C'est vrai. Non, t'as dit c'est faux, donc non. Il faut que tu donnes une réponse, monsieur Dulo. Bon, allez. Bon, je suis désolé, mais c'est évidemment faux. Quoi? Mais vous servez à quoi, là-haut? On a gagné. Si vous aviez regardé les pots de fleurs dispersés un peu partout dans la ville, et notamment... Bon, bah voilà. Je reviens. Et notamment au niveau de la mairie, vous verrez qu'il y a en fait des pots de fleurs violets. Mais ce sont des coraux. Je crois qu'on a zéro pour les gars. Parce que avant j'en ai jamais vu des violettes. On a 4 à 0. Il y a combien? 4 à 0, on nous dit ça. Quoi? C'est nous qui avons bien répondu là, non? Non, on a dit vrai. Alors, vous avez dit faux. La suite, monsieur Jules. Oui, la suite. Question numéro 5. Tous les arbres du parc ont une particularité en commun. Laquelle? Une teinte bleue sur elle. Bien joué. Ils ont une quoi? Là, j'aurais c'était pas... quoi? C'était quoi la réponse? La lanterne bleue à clocher. Ah, d'accord. Souviens-toi, on les a même comptés. Ah, j'avais jamais fait attention. On fait 10 questions, ne vous inquiétez pas. Ouais, on les a comptés, il y en avait 7. Bah, il y a 7 arbres, peut-être. Non, mais 7 de par terre, peu importe. Allez, messieurs, on passe là. Les arbres derrière, il y a pas tous les arbres avaient... Ouais, j'avoue. Mais c'est pas du jardin, ça. Si, c'est au parc. C'est au parc. Messieurs, sixième question. À part le rouge et le bleu, citez-moi deux autres couleurs de serviettes sur la plage.
Violet jaune. C'est l'équipe de droite, je suis désolé, ils ont quand même buzzé avant. Vous, vous avez buzzé avant que ma question était terminée, donc je ne compte pas. Donc allez-y. Jaune et vert, je crois. Il me semble. Non, c'est pas vert. C'est une bonne réponse. Quoi ? Allez, cassez-vous là ! Cassez-vous ! Allez ! C'est bon ! C'est pas bon là ! On s'active. C'est bon ! Ok. T'es le meilleur dans combien ? La remonte là. Je sais. Trop fort. Pas d'arrogance. Allez, citez-moi, pour la 7ème question, citez-moi les deux types de bois qui ont participé à la construction du bateau. Bois de chêne, bois de chêne et bois de bouleau. Non. Raté. Bois de chêne, bois de sapin. Bonne réponse. Allez. Deux, vous avez vu du boulot. Je savais, les gars. Allez, on continue. Quel menuisier. Allez-y. Alors, à 10 arbres près, combien y a-t-il d'arbres au total dans la ville ? Oula. Oh, c'est chaud. Combien ? 23. Je peux aller compter. J'allais dire la même chose. Il y en a plus de 23. Il y en a moins de 23. Combien y a-t-il d'arbres au total ? Il y a pas mal d'arbres, il y a plein de palmiers. On a 10 arbres près, donc en vrai, je pense. Donc on va être dans la centaine s'il y a 10 arbres. Non, c'est au tour de l'équipe des 35. Par contre, il faut qu'il réponde directement, sinon c'est de la triche. S'il vous plaît, messieurs, répondez. Donne un chiffre. Ah non, il y en a plein. Allez, un chiffre. 25. Ils ont déjà dit 23 à 10 près. On a dit merde. Ils demandaient un chiffre rapidement, donc vous êtes dans la portée, vous êtes dans la marge d'erreur, donc félicitations. Oh, c'était 36. Oh, ah oh. T'imagines si j'avais dit un de plus. J'allais dire 35 par hasard. À 26, oui, ça passait. Allez, j'allais dire 36 par hasard. C'est à 2, je crois. Alors. Alors, attendez, excusez-moi. Quelle nouvelle construction a rejoint la plage dernièrement ? Des jetons de sable. Oh, mais non. Bien, monsieur Akashi. Oh, bien joué. Quoi ? Non, mais il était là la semaine dernière. Oui, mais bien, c'est nouveau, le tarif le château de sable. Ah, peut-être. Le château de sable est une construction, hein. Moi, j'aurais dit récif de pierre. Oh, mais je l'avais. J'ai... Ok, bon, j'ai pas compris la question. Allez. Il reste deux questions. Alors, ok, non, on a perdu. C'est pas grave, allez, on répond bon. Ouais, on peut pour faire un tour rien sur la question. Sur la dernière question. Allez. Non. Allez, mais vous êtes pas joueur, on a. Vous êtes pas joueur là, regarde-moi ça. Alors, je vais mettre un truc de jeu. C'est d'où ? Oui. D'accord, pour faire ça, dernière question, tu diras la vérité si on gagne, ok ? Oh là, j'ai jamais été d'accord avec ça. Oula, ça cache quoi là ? Pas d'histoire privée. Dommage. Allez, dernière question. Les trottoirs ne sont composés que de deux types de dalles. Lesquels ? Je sais. C'est. Allez. Alors, il y a. Ah ! Et. Granit et andésite. Granit andésite. Granit andésite. Granit. Et c'est une bonne réponse. Oh, non. Ah, par contre, Je conteste. La réponse, il a. Alors, vous avez misé 3 heures à répondre à gauche. Quoi et à droite, il a buzzé et dit la réponse. Oui. Sauf qu'ils ont. Oui, on l'a dit avant. Alors, certes, Non, attends, monsieur, c'est bien 6 ans à répondre. Effectivement, c'est le seul. De toute façon, la dernière question, c'est tout de suite. J'avoue. En fait, ce que je conteste, c'est qu'il a entendu la réponse. Tu fais monsieur Toblerone. Oui, maintenant. Non, c'est ta faute. On est trop fort. Merde à tous. Ah, mais non, on est trop fort. C'est pas fini. On est trop fort. Rien. Encore une dernière. Si l'équipe de droite remporte la question, il a égalité. Mais si, évidemment, l'équipe de gauche remporte la question, vous gagnez quoi qu'il a. Ok, alors. Allez, les gars, creusez les méninges. Allez, nouveau, creusez-vous les méninges. Faites jouer vos questions. Ça va être une question d'extrême rapidité. Enfin. En réalité, j'hésite. Est-ce que l'on part pour une question de rapidité ou une question de réflexion intense ? Réflexion intense. Alors préparez-vous, messieurs, parce que cette question va être, je pense, un peu plus compliquée que toutes les précédentes. Déjà celle des arbres. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Dernière question. Citez-moi les 3 patterns de couleurs des parasols de la plage. Rouge et blanc. Bleu et blanc. Jaune. Blanc. J'en ai 3. Vert. Ouais, j'ai oublié. Raté. Sachant que vous devez me donner 3 patterns avec 2 couleurs. Donc 6 couleurs. Il me semble. Rouge et blanc, je sais pas. Il me semble que j'avais vu jaune et blanc. Jaune, blanc. Il me semble que j'avais vu jaune et blanc.
Jaune et blanc, jaune et blanc, jaune et blanc. Jaune, rouge et blanc, ouais, peut-être. Jaune et blanc, 100% hier. Jaune, blanc, rouge, blanc et. Là, c'est la prochaine team qui buzz là. Équipe. Bah, vas-y. Ah, donc allez-y. Alors, rouge, bleu. Rouge, bleu. Voilà, continue, à toi. Rouge et blanc, normalement. Et non, il n'y a pas de blanc. Et violet, et vert, rouge, bleu, rouge, blanc et vert, violet. C'est raté. Bah, vas-y. Vert, violet, c'est moche. Bah, oui, en vrai. J'ai pas regardé. Pour dire, même moi, j'ai pas la réponse. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ma vie, hein. J'avoue. Mais c'est qui, vous êtes un petit peu désordre pour le coup, là. Bon, j'ai oublié, j'ai commandé ça il y a des mois. Je vous donne. Ouais, bah, j'ai ça, ça. Ça triche. Je vous donne un indice. Ça triche. Les trois, dans les trois patterns, il n'y a que trois couleurs. Et à chaque fois, c'est ça, c'est un switch. Ah oui, ça, par contre, je sais qu'il y a rouge et bleu sur. Rouge et bleu. Bah, ok. Oh, mais je l'ai. Rouge et bleu. Rouge et blanc. Et bleu et blanc. Et bleu et rouge. Bleu et rouge, mais oh, c'est ça. Non, 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 attends, tu m'as dit rouge non, et blanc. Non, c'est pas ça. Non, bah, oh, c'est compliqué. Ah, non, rouge et bleu. Rouge et bleu. Et blanc et bleu. Et blanc et bleu. Rouge et... Blanc et rouge et blanc et bleu. Putain, mais non, mais y'a pas de blanc, y'a pas de blanc. Mais si, tu veux que ce soit quoi? Non, tu veux que ce soit quoi d'autre? Je te jure, y'a pas de blanc. C'est jaune. Mais je crois, oui. Y'a c'est jaune. Allez. Dans ma tête, c'est. Mais je crois que si vous avez la réponse. Allez, vas-y, dis avec jaune. Dis avec jaune. Si la réponse. Si vous avez la réponse, buzzer. Rouge et jaune, bleu et jaune. Et on est honnête, on a buzzé. Alors attends, redis. Rouge et jaune, bleu et jaune, vert et jaune. Et c'est raté. Oh là là, ex-compliqué. On a gagné. Moi, je vais aller vérifier, moi. Question de rapidité. Allez-y, monsieur King. Moi, dans ma tête, je l'ai dit blanc et jaune. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Hop, 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 la triche. Eh, la triche, là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dégagez, dégagez. Hop, la triche, là. C'est quoi, ça? Non, mais oh. Question. Allez, question de rapidité. C'est parti. Question de rapidité, messieurs. Ok, je m'en occupe. Bleu. Non mais arrête. Au total, combien y a-t-il de box dans l'usine? 8. Bravo. Oh. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh mon dieu. C'est mon poulain, ça. C'est mon poulain. C'est mon poulain. C'est mon poulain. Une dernière pour départager. Eh ouais. Là, ah non, c'est bon, bien. On finit sur les égalités, c'est beau. Ouais, oh, c'est pas drôle. D'accord, c'est pas drôle, les égalités. C'est, le parallèle n'en est on que on finit plus sur les égalités, il y a 7-3. Belle égalité, 7-3. Je suis désolé, mais effectivement, on a quand même gagné. Je suis fait le fou. Ouch. Pourquoi j'ai sauté de là-bas? Pourquoi j'ai sauté de là-bas? Réfléchissez un peu. Brille. On est reparti. Messieurs, j'espère que la qualité vous aura plu. Oui, merci beaucoup. Mais beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup, c'était trop bien. C'est bon, je vais vérifier. Alors, monsieur qui vous dites nous tout. C'est quoi la réponse? La réponse, pas vous avez trouvé ou pas? Non, on va procéder à faire une question de rapidité. Alors, je vous dis les trois couleurs, mais vous devez trouver les combinaisons. Remettez-vous à votre place. D'accord, d'accord. Le dernier point, le dernier vas-y, point. Vas-y, le dernier point pour départager, allez-y. Allez, allez, allez. Non, c'est ça, on a gagné, Non, parmi les trois couleurs, vous devez trouver les trois combinaisons. Il y a les trois couleurs à chaque fois. C'est des duos. Il y a du rouge, du jaune et du bleu. Ouais, voilà, je vais ajouter. Du quoi? Pardon? Bah, dis. Du rouge, il du a jaune, du bleu. Il a buzzé. Ah, mais j'ai aucune idée. Ok. Rouge et jaune. Bleu et jaune. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il dit, con? Je te réponds. Vas-y, continue. Il y a que 3 possibilités en fait avec 3 couleurs. Mais y'a pas de jaune et jaune. Y'a pas de jaune et jaune. Mais non, Akashi, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. C'est un triangle. C'est quoi les 3 couleurs? Allez-y si vous voulez buzzer, messieurs. Mais vas-y, j'abandonne. C'est quoi les 3 couleurs déjà? C'est bleu, rouge et jaune. Donc bleu, rouge, rouge, jaune, jaune, bleu. Oh, j'ai le seum, il a raison. Bleu, rouge, rouge, jaune, jaune, bleu. C'est une bonne réponse. Allez, allez. Oui. Oui. Oui, on a gagné. Oh, la remontada. La remontada. C'est mon poulain, c'est mon cousin, ça. C'est mon cousin. C'est mon cousin. Je me suis cassé les jambes, c'est pas grave, c'est mon cousin.
C'est mon cousin qui a répondu. C'est mon cousin. C'est mon cousin. C'est le seul monde à l'accueil du gouvernement. Égalité 7-4. On est trop fort, les gars. Messieurs, rendez-vous. Égalité 7-4. Tout le monde. Monsieur Durand, là. S'il vous plaît. Rendez-vous à l'accueil du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur King, je crois, doit parler. Je vais vous suivre, je sais pas où. Je suis bourré. Allez, venez. Quelqu'un a vu mes lunettes? Un avant, c'est parti. Quelqu'un a vu mes lunettes? Voilà. Je crois que j'ai perdu mes lunettes. Vous réussissez à vous retrouver ou vous êtes zen? Je veux bien qu'on me guide, hein, du coup. Attention. Allons tous, suivez-moi. Je suis tout en blanc. C'est qui? Allez, monsieur Lamotte, allez. C'est qui? Il a un peu perdu ses lunettes. J'ai perdu mes lunettes. Monsieur Toblerone, mais non. Je peux aller vérifier dans la salle polyvalente? Ah non, je suis désolé, on n'a plus le temps. Il faut que vous veniez, allez. Ah, bah mes lunettes. Vous avez plus vos lunettes? C'est bon, je les ai retrouvées. Monsieur Dul, j'ai retrouvé mes lunettes. Ah oui. Bah la bonne heure. Non. Ils avaient glissé dans ma veste. Ah mais parfait. Bah écoutez, vous m'envoyez rassuré. Oui. Mais ils sont. Oula. Ils sont cachés. Trouvé. Ah monsieur Dul, faudra régler ce problème. Effectivement. Monsieur Dul, on est un peu on va pousser dedans. Monsieur Akashi, écoutez, c'est pas grave, on va faire le débrief ici. Hein. Non. Oui, on vous attend. Sinon, je vais dehors, comme ça, il les voit pas. Voilà. Messieurs, écoutez, c'est la fin de cette ouverture des frontières. Je vous remercie à tous d'être venus nombreux. On va procéder à un vote, on va dire, à la voix. Pour savoir si vous, avec l'incident qu'on a eu en première moitié évidemment d'ouverture des frontières, est-ce que vous voulez faire une session de rattrapage demain dans l'après-midi, messieurs? Ça risque d'être compliqué pour moi, mais je vais essayer de voir si je pourrais. Ouais, c'est... Qui est contre? Toblerone. Je laisse la voix, je vote blanc. J'essayerai de me débrouiller pour venir si jamais voilà. C'est le cas. Alors évidemment, elle sera pas obligatoire celle-ci puisqu'elle est évidemment exceptionnelle. Mais de toute façon, je vous recommuniquerai tout ça évidemment par messagerie, vous le savez. Donc écoutez, messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de voyage. Je vous laisse retourner au bateau pour simplement. Je vais m'occuper de vous dépêtrer de là, moi. Retournez chez vous et vous, on s'occupera de vous un peu après. Bonne soirée et on se retrouve demain. Allez, à demain. Au revoir. Du coup, voilà. Au revoir. Monsieur Taylor, au revoir. Allez, venez vous. Au revoir, merci. Vous pouvez partir. Le bateau. Coucou. Par là, attends. Par là. Vas-y, je te suis dans. C'est par là-bas. Ouais. C'est par où? C'est là-bas le bateau. Qui fera la session facultative ici? Je pense que je la ferai, ouais. Je sais pas. On passe par la plage. Attendez, j'ai envie de passer par la plage pour voir. On verra. Ah oui, les fameux. Oui, c'est vrai. Ils sont pas blancs. Ah non. Du coup, il y avait un mélange de. Oh, fallait regarder. Ah, c'est ça, fallait regarder au-dessus. Du coup, c'était jaune et bleu, rouge. C'est ça, rouge on avait bleu. C'est ça. Et rouge et jaune. Ouais, c'est ça, on avait bon. Nice. On avait bon. Ouais. Emmerich, t'avais bon du coup. Donc, on vérifiait les patterns, en effet. Vous avez tous perdu votre langue. C'était pas des trades ici. Non. Si, de base, c'était... Il y avait des petits malins qui s'amusaient avec, donc on a changé ça. Ah d'accord. Non, mais tombé à la mer. Encore J'ai glissé. Moi, je vous souhaite un très bon... Tombé à la mer.
je vous souhaite un bon voyage. On se retrouve demain pour ceux qui viennent demain. Je vous communiquerai l'heure, évidemment, par messagerie, en espérant vous voir tous nombreux. On a quelques petites choses à fignoler, et puis voilà, ça durera pas longtemps, mais le temps de finir ce qu'on n'a pas le temps de faire. Voilà. Très bien. Je vous donne la mienne. Très bien, messieurs, je vous souhaite un bon voyage, et puis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il faut venir demain. Par là. D'accord, je viens par là. Oui, fais. Attends. Attends. Voilà. J'ai pas envie de partir, les gars. Non, mais ouais, j'adore. Mais oui, mais moi aussi, c'est trop bien. Mais voilà, je savais que t'allais accrocher, toi. Je savais. C'est de l'heure, c'était. Du coup, c'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom à vous? Mamadou Saïdou. Erwan, je vous aime beaucoup, Mamadou. Tu l'as reconnu? Je les aime beaucoup aussi. Tu l'as reconnu? Merci. Oui, tu l'as reconnu? Bah non. D'accord. Bah non. Erwan. Reparle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais je pense pas que tu vas deviner. Bleu, rouge, jaune, rouge. Il est au lycée. Il est au lycée, ouais. Il était au collège ou pas? Ouais. Oui, la réponse est bleue. Vas-y, parle. Vas-y, dis des trucs genre cons, je sais pas, genre. Genre des trucs genre con, genre monsieur Vessela, madame Renaudot. Ah ouais, madame Renaudot. Oh là 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 là. Oh madame Renaudot. j'ai un nom, mais je vais peut-être dire mon collègue. Madame Malodot. Mais c'est pas grave. Vas-y. Coucou. C'est Rémi. Non. Je m'appelle Eric dans le jeu. Pas du tout. C'est. Coucou. Coucou. Eric dans le jeu, mais en vrai, tu t'appelles Eric aussi. Regardez-moi. Bah oui. Bah oui, bah oui. Oula, j'ai. Oula, Bah j'ai. Je suis pas beau. Non, t'es doré. Oui. Oh monsieur, Ok, j'ai capté. Les jumeaux Toblerone. Voilà. Les jumeaux Toblerone, regardez. Yep. C'est des cousins. Et toi, c'est les jumeaux Toblerone. On est cousins. Non, mais est-ce qu'on se ressemble, non, mais espèce. Ouais, est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble là? Est-ce qu'on se ressemble là? Est-ce qu'on se ressemble avec les yeux là? Hein? Est-ce qu'on se ressemble? Bah non, on se ressemble pas. Donc du coup, bah, je vais remettre mon chapeau, et je vais remettre ma cape, et même si c'est des lunettes et pas un chapeau, et bah je vous emmerde. Ouais, faut rejoindre le Discord, allez, allons tous. Rejoignons tous Discord. Ta gueule, ferme, ta gueule. Allez, on rejoint tous Discord, les enfants. Ta gueule. Hop, alors du coup, on va pouvoir quitter notre bol. Eh, la session, elle était quand même pas mal, hein. Malgré qu'il y a eu des problèmes, franchement, elle était géniale, la session. Elle était géniale. C'est l'aventure, quand même. Ah, super, tout le monde revient pour le débrief. Oui. Ah, parfait. Bon, messieurs, je vais prendre un petit peu la parole, je pense que tout le monde est là, c'est parfait. Juste, est-ce que je peux aller juste éteindre mon stream? Ah bon. Vas-y, fonce. D'accord, merci. Du coup, les gens, on va pouvoir s'arrêter là, donc du coup, je vous remue ici. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi, je suis très content parce que j'ai pu faire des tests avec OBS, et le 720p fonctionne correctement pour avoir exactement un Twitch bien réglé. Donc du coup, je pense qu'on continuera comme ça, même demain, on fera ça, demain, on sera en 720p, donc on va pas toucher. Merci en tout cas d'avoir suivi du coup ce nouvel épisode de Luxury RP. Ça fait plaisir de voir qu'il y a eu de nouveaux arrivants et que ça leur plaît. Voilà, en tout cas, ouais, c'est cool, voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, voilà, on va pouvoir se clore là-dessus. D'ici là, comportez-vous bien, on se retrouve demain 9h pour la matinale. On ira sur SkyRP, du coup, pour pouvoir enfin commencer cette grande aventure sur ce serveur de Gabi, du coup. De Gabi F5. Bref, on sort là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Merci à tous ceux qui sont passés et merci aux nouveaux followers. Et on se retrouve du coup pour un prochain live. Du coup, on se retrouve demain pour le prochain live. D'ici là, comportez-vous bien. C'était Des Gamers France qui vous dit à la Stavista. Salut tout le monde!